Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission, dans ce nouvel épisode de la cuisine père et fils. Bonjour, cher pâtissier. Et bonjour, chef, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien. Bonne année à vous. Ah ben merci, vous aussi. Les meilleures choses. À vous tous, surtout. Bonne année, plein, bonne plein santé. De voilà. Tous vos projets réussissent, tout ça, même si bon, on sait bien que c'est la bonne année finalement. Bon, voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. J'ai vu une vidéo, une compilation de chaque fois. Les présidents depuis Nicolas Sarkozy qui disaient cette année fut rude et tout, mais l'année prochaine sera super, et à la fin de l'année, après le début de l'année, bonne année à tous, je sens que ça va être super et tout, et à la fin de l'année, bon, c'était un peu rude, c'était compliqué, et c'est toujours pareil, chaque année. Mais ouais, c'est incroyable, oui, mais voilà. Donc voilà, nous, on vous souhaite la bonne année, voilà. On espère que le meilleur pour vous, voilà. Ça, et puis soyez toujours vivants, soyez toujours vous-même, vivez la vie. En tous les cas, passez une bonne partie de votre vie avec nous le dimanche matin, tous les 15 jours. Donc, ouais, voilà. par exemple. C'est la première de l'année, on va dire. C'est clairement la première de l'année 2023. Voilà. C'est la reprise, hein. Ça fait un petit mois qu'on a rien fait. Ouais. Les vacances faisaient du bien. Et les vacances, ça fait du bien, beaucoup de bien. On s'est promené un peu, c'était vraiment très sympa. Et on espère que pour vous aussi, les vacances, si vous en avez eu, bien sûr. Et sont bien passés. Coucou, je vais faire un petit bout de chemin. On va faire un petit bout de chemin ensemble. EBS, écoute, avec plaisir. C'est à toi. Alors, je savais pas si tu serais là ou pas, donc j'avais pas mis le tablier. Parce que, comme tu m'as dit, il y avait les soldes et tout. Désolé. Il y a dans 2 semaines, sans faute, je l'ai. Voilà. C'est comme je savais pas si tu serais là ou pas. Je voulais mettre pour toi pour que tu vois, mais je savais pas si tu serais là, désolé. Donc, EBS, merci d'être présent quand même, si c'est un petit peu. Merci, bon courage pour ton travail, parce que tu travailles vendredi dimanche, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Ouais. Donc, bon courage et puis bonne continuation. On se rappelle plus tard. Ouais. Voilà, donc écoute, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, chef? Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? On a prévu donc la Thaïlande. On a prévu la Thaïlande. La roue nous a dit. Voilà. Donc du coup, on a préparé pour faire une mission concernant donc les mets thaïlandais. En tout cas, on a fait un choix. On a cherché. Hein, chacun son choix. Hein, le chef, tout ce qui est plat salé, bien sûr, et le pâtissier, tout ce qui est sucré. Ouais. Là, c'est à peu près logique. Logiquement, ça, on va faire. Donc, du coup, je vais faire un pad thaï, donc le plat typique thaïlandais. Oui. Un peu modifié, un peu à ma manière. Mais parce que un pad thaï normalement c'est avec des crevettes de base. Moi je n'aime pas du tout les crevettes. Ouais, il est presque allergique tellement. Et il y a des variantes, c'est pas très grave. Ce sera au poulet ici. Désolé les Thaïlandais, c'est une insulte pour vous. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de Thaïlandais ici donc ça devrait aller. Normalement. Je ferai aussi une version végétarienne d'ailleurs, je le précise maintenant, c'est pas marqué nulle part. Mais il y aura aussi une version végétarienne à base de tofu. C'est parfait. Hein. Pour que les gens soient au courant. Et pour vous, qu'est-ce que c'est ça? Alors pour moi, ça sera donc un dessert thaïlandais dont le nom je ne me souviens pas. Et puis je ne voudrais pas le prononcer, par peur de me faire agresser si je le prononce mal. Donc, c'est un flan, on va le dire plus précisément. Un flan avec 3 types de lait. Du lait concentré, du lait normal, du lait de noix de coco. Et avec un petit peu de caramel. Et c'est un flan qui est parsemé à la fin avec des noix de coco râpées. Voilà, c'est un petit flan sympa, donc on espère que ça va fonctionner, que vous allez aimer. Comme d'habitude, le flan, il doit se préparer à l'avance parce qu'il faut qu'il soit froid, donc il y a un temps de conservation au frigo. Donc évidemment, on a prévu de préparer un ou deux ramequins pour vous montrer le résultat. Certains ont été préparés en amont, mais on va faire la préparation des varous, bien entendu, comme on fait. Mais il y en a qui sont prêts déjà au frais pour être dégustés à la fin, que le chef a fait venir. Oui. Et la préparation d'ailleurs, on les a pas goûtés évidemment, on attend en live pour montrer. Voilà. Donc je pense que ça peut être sympa. Alors on avoue que ça va être quand même relativement simple au niveau de la préparation. Ouais, tout va être simple et alors très court, on ne sait pas si ça va durer jusqu'à midi. Voilà. Parce que d'habitude, on ne sait jamais si on va arriver à rester jusqu'à midi et pas dépasser. Là, aujourd'hui, la question se pose. C'est limite, est-ce qu'on va arriver à midi? C'est pas encore sûr. Donc ça, c'est pas sûr. C'est des plats assez simples et rapides à faire. Exactement. Mais on va essayer de prendre le temps, être tranquille pour éviter de faire des erreurs en même temps. On ne sera pas pressé, on va être On va pas courir, on va relax. On va y aller tranquille. On va y aller tranquille, donc pas de soucis. Bon. Chef, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je pense qu'on peut commencer. Je pense qu'on peut commencer. Il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer. On va commencer par le flan. Alors, on va commencer par le flan pour la simple et bonne raison. C'est qu'en fait, il y a un temps de cuisson qui est de 35 minutes quand même. Hein.
Donc voilà, on le laissera tranquille. Pendant qu'il cuira, on pourra nous préparer. Donc, enfin, je vais assister le chef qui va préparer le plat thaïlandais, hein, à base de poulet, et là particulièrement aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de crevettes. Ouais. On est d'accord. Donc, chef, si vous avez Super déjà. casquette, salut! Coucou, chouette de vous revoir. Bah écoute, ça fait plaisir, ça fait longtemps. C'est comment tu vas? Bonne année à toi. Bonne année. J'espère que ça va. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu ici, mais Ouais, écoute, ça ça fait fait plaisir. toujours plaisir, bien Ouais, sûr, ouais, ah carrément. ouais. Bah, moi Bienvenue, bien j'espère que tout sûr. va bien pour Voilà. toi. Voilà. Qu'à passer les bonnes fêtes et que tout se passe bien. Exactement. On te souhaite le meilleur, évidemment. Voilà. Tu viens d'arriver, donc ce qu'on disait avec le chef, on prépare aujourd'hui donc la cuisine thaï. Thaïlandaise. Bon, je Ah, pense que de toute façon, il y a c'est le une titre, différence donc entre après. thaï et thaïlandais, parce que pourquoi on dit thaï et Parce que thaïlandais c'est là, plus c'est. rapide à dire. Hein? C'est plus rapide à dire. Ah mais ça, d'accord, mais sinon il n'y a pas de. C'est thaïlandais, c'est thaï, Voilà. c'est thaïlandais. Oui, c'est juste, bah, D'accord. juste les quatre premières lettres, quoi. On n'est pas dire thaïlandais. Moi, j'aime Bah, bien c'est pas dire pour ne pas thaïlandais le quand dire, même. c'est juste que c'est plus rapide, quoi. Ouais, Il y a c'est même, vrai. il y a même des C'est vrai qu'on pas. dit souvent thaï, même dans les restaurants, parfois il y a Ouais. marqué cuisine thaï. Ouais. Voilà. Pour ça, je me suis posé la question, est-ce que thaï et Bah, en même thaïlandais, temps, c'est pas la sur même la chose? restauration et tout, je pense que la police d'écriture, ça coûte cher. Les mots, c'est par tête, par lettre. Du coup, s'ils mettent moins de lettres, ça coûte Ouais, moins puis cher à ouais, c'est faire. vrai que thaï, ça fait, c'est vrai que ça percute plus facilement Mais c'est que. vrai que. Ouais, je... Ouais. Bon, Ouais, je me suis posé la question, en fait, ça ne va pas ouais. changer quand Non. même Non. ce que nous avons prévu. Voilà. Oui. On va juste se lancer tranquillement On va se lancer et y aller, tranquillement. quoi. Non, du coup, dites-nous, j'ai affiché la recette déjà en haut pour le Voilà, vin, vous pour l'avez avec vous. le flan thaï à la noix de coco. Voilà. Voilà, donc vous pouvez voir un plaisir à dire. Donc, de quoi on a besoin? Alors, chef, nous avons besoin, donc pour cette recette, de 20 centilitres de lait de noix de coco. Que, donc, on achète, on trouve un briquet, hein, une briquette, dans tous les bons supermarchés du coin. Donc, vas-y, je vous montre voilà, un petit Je exemple. me Hein. demande si la musique est pas trop forte. Je vais baisser Voilà, un oui, peu. ah oui, posez la question sur la technique quand même, chef, savoir si Si tout va personne bien. n'a rien dit, c'est que ça devrait aller, Ouais. mais bon, dans le doute, je vais baisser un peu. Continue. Absolument. Bonjour les chefs, bonjour, bonne année à Et tous. Bonjour bonjour, chérie Soriva, verte. bonne année à toi aussi. Allez, merci Plaisir. beaucoup, toi aussi. Alors, chef, Ouais. est-ce que la musique va pour tout le monde? Tout va Je bien? sais pas, mais continuez. On y va. Donc, je disais, il nous faudra 20 centilitres. Alors, ça tombe pile poil parce que c'est effectivement 200 millilitres ou 20 centilitres de lait de noix de coco qu'on trouve dans tous les marchés. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est un produit Non, le exotique, comme coco, il est c'est devenu assez. commun Ouais, chez nous. Donc, on le trouve exactement. facilement. Ensuite, il nous faudra la même quantité en 20 centilitres de lait et condensé. Sucré, Concentré, concentré, concentré. ouais, c'est ça qu'au Chili on dit condensé. Ah ouais. Mais en fait, ouais, parce que c'est Est-ce que dense. vous n'aimez pas faire les choses Il est tranquillement, dense, vous alors que aussi? ça, c'est concentré du sucre. Donc, lait concentré sucré, bon, la marque, je vous la donne pas, mais bon, vous vous en doutez un peu. Oh, vous pouvez, on n'est Bon, pas, donc on n'est la pas marque, limité c'est, ici. bon, chez Nestlé, hein, on la trouve plus facilement. Après, Voilà. il y en a d'autres variantes, hein, on n'est pas obligé d'acheter. Maintenant, laissez-les donner l'argent, maintenant qu'on a Voilà, cité votre nom. exactement. Non, laissez-les s'il vous Ensuite, plaît. on a la même quantité. Non, pardon, on a 10 centilitres plutôt de lait classique, hein, lait normal. Hein. Et nous aurons pour ça 100 grammes de sucre en poudre hein, que j'ai séparé en deux parties. 60 grammes qui vont aller pour faire le caramel, pour le fond du flan. Et évidemment, les autres 40 grammes qui vont aller dans le mélange, dans l'appareil du flan lui-même. Voilà. Donc là, j'ai tout dit, évidemment, il Des y œufs? aura à la fin Oui, et des œufs aussi. voilà, du râpé. Évidemment, pour faire le flan et le lien, il nous faut 3 œufs donc, que j'ai sélectionnés moi-même dans le poulailler. Donc vous les avez là. Et le chef, voilà, tout est dit au niveau des ingrédients. Tout est dit au niveau des ingrédients. Alors, Ouais, ok. Bah, du coup, bah écoutez, on peut quand vous voulez, commencer? quand vous voulez, quand vous voulez. Alors, il C'est faut vrai que savoir que, là, ça voilà. dessert. Donc, pour ça, nous allons commencer par mettre les 60 grammes de sucre dans une casserole. D'accord? Voici la casserole. Voici les 60 grammes de sucre. On va le verser dedans et on va faire un caramel à sec. C'est-à-dire, on ne rajoutera rien d'autre que le sucre au fond de la casserole et on va le lancer pour le préparer. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, on va napper le moule dans lequel on va faire le flan de ça, hein, au fond, et on va le laisser, on va le réserver. Hein, chef? Ben, c'est vous qui Donc, si savez. vous permettez, de ces pas, je m'en vais pour allumer donc, le gaz Ouais. et pour lancer donc, ce caramel qui doit être un brun caramel, quoi, pas un brun calciné, quoi. Hein? Pas charbon, quoi. Voilà, pas charbon, parce que vous savez que le sucre, quand il crame, chef, il devient amer. Ouais. Et là, ça gâche tout, quoi. Puis ouais, ça pue, c'est mort aussi, Voilà, aussi. exactement. Ah oui, en plus, ça sent mauvais, quoi. Donc, C'est alors qu'un pas très caramel bon. juste réussi comme il faut, ça Ouais. ouvre tout de suite les papilles, ça donne envie de goûter, quoi. Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas le caramel, vous savez ça? Et, ah non, je ne savais pas ça.
Ah ouais, c'est impressionnant. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est rare. C'est rare. Je pense, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, malheureusement. Vous voyez, j'aime pas aimer l'ail ou l'oignon, ça se comprend totalement parce que c'est vraiment pas bon. Mais le caramel, c'est du sucre. C'est bizarre de ne pas aimer le sucre quand même. Quoi. Surtout qu'une des premières choses qu'on aime quand on est bébé, c'est le côté sucré. Tout de suite, on commence à goûter le sucre. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le pain. C'est rare aussi. Hein. C'est vrai, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas les frites non plus. Il y a plein de gens qui aiment des trucs que, pas des trucs que tout le monde aime. Quoi. Ça existe. Oui, mais il y a des trucs trop dit communs quand même, comme le pain, c'est des trucs de base. Ouais. C'est vrai, et moi j'avais demandé, mais je lui ai dit, parce que tu ne veux pas manger de pain, tu fais attention. La personne m'a dit non, c'est que je n'aime pas le pain. C'est fou ça. C'est vrai. Ah ouais, donc comme que j'aime pas le pain sans sel, normal. Ouais, je dirais c'est logique. Voilà. Mais pas j'aime pas le pain dur, le pain racide. Ouais, voilà. Mais le pain normal, c'est étonnant. C'est assez étonnant. Donc j'ai les banni de ma liste d'amis. Vous avez raison. Est-ce que vous pouvez essayer de recadrer un peu la caméra là-bas, s'il vous plaît? Oui. Vous avez fiché le plan. La remettre, elle est bien là. Je peux la remettre un peu. Comme ça là? Ouais, enfin non, c'était plus. Ouais, bon, c'est pas grave. Non, c'est non, ça vous en fait. C'est comme ça que vous la vouliez ou comme ça? Non, mais en fait. Ah, la redresser carrément. Non, attendez. Ah, mais ça, je sais pas faire. La technique, moi. C'est juste, enfin, viser le truc, quoi. Ah, sans bouger le trépied? Ben non, ouais, juste. Voilà. Tout à l'heure, on avait une discussion avec le chef en disant qui était à la technique. Et en fait, on a vite repris. On a parlé de ça? Ouais. J'aime pas les hosties, pourquoi pas, mais j'aime pas le pain, c'est chaud. Ah oui. Ouais, après, les hosties, je sais pas si ça peut être considéré comme du pain, vraiment. Alors, on dit que c'est là, effectivement, où on associe mon pain, mon corps et tout ça. Ouais, mais là, c'est l'hostie, c'est pas l'hostie, le pain. Mais l'hostie, c'est une sorte de galette, vous savez. Ouais, c'est du quoi, d'ailleurs, c'est du riz. Oui, un peu dans le même style. C'est comme le, vous savez, comme le. C'est du pain sans les levain. Les gaufrettes, hein. Vous voyez la qualité des pâtes des gaufrettes qu'on achète? Non. Au caramel, la vanille, les gaufrettes, les gâteaux. Et bien, c'est à peu près la même consistance. C'est un peu les espèces de soucoupes, les bonbons là où il y a de la poudre acide dedans. Voilà, mais ça colle au palais. Dès qu'on la met dans la bouche, hop, là, l'hostie se colle au palais. C'est du pain sans levain. Ouais, mais c'est une texture un peu bizarre. Enfin, je crois que le pain azyme, c'est sans levain aussi, non? Exactement, mais c'est le même principe. C'est le pain. Mais ça a le même goût que le pain azyme, c'est pareil. Parce que le pain azyme, c'est croustillant là. C'est sec, croustillant. Ouais. Non, là, c'est comme une sorte de feuilleté, des pâtes feuilletées très très fines, un peu comme des. Mmh. Oui, comme une consistance un peu comme. Je sais pas, on va trouver, mais c'est un peu ça. Ouais, ça coûte pas cher quoi. Non. C'est tout l'intérêt, je pense. Ça va, Raptor, sinon. Comment. Tu es réveillé, c'est. Bravo. Voilà. Bravo. Et bonne année à toi aussi, bon, même si je pense qu'on se l'est déjà dit. Mais... Donc voilà, le caramel se fait tranquillement, chef. Ouais, bah, let's go. Hein. On embrasse Raptor qui vient d'arriver. Je vais t'en effet, c'est chouette, ouais, let's go. Et du coup, le caramel, attention, ça fume un peu. Du coup, le caramel commence à devenir beau, magnifique. Hein. Donc attention. Voilà, vous voyez, c'est pas la peine de le remuer avec quelque chose, vous le passez juste comme ça. Bah, le problème, c'est que si on remue quelque chose, ça risque de coller dessus, quoi. Oui, voilà, et puis voilà, ça risque de faire des petites billes là, dures, c'est pas il bon. Dit, il dit zoubi, Raptor. Ouais. Il dit zoubi. Il dit zoubi. Ouais. Ah, merci. Merci, merci également. Je suis content qu'il soit là. Ça faisait un moment qu'on le voyait pas, d'ailleurs. On l'a pas vu la dernière émission. Je sais plus. Il était pas là? Non, il était pas là. Ouais, il devait être à la scène d'avant. Ah oui. Il est là à peu près tous les soirs sur mes streams jeux vidéo. Ah oui, il fait ses choix. Genre, ouais, je n'hésite pas d'ailleurs. Hein, bon, je sais que la cuisine intéresse la plupart d'entre vous et c'est ce qui intéresse le plus ici. Mais si jamais dans la semaine, pas tous les jours exactement, mais je stream sur Overwatch. Bientôt d'autres jeux si tu veux. Peut-être un jeu d'horreur bientôt. Je vais peut-être refaire un petit truc à l'ancienne. Chef, ouais. Voilà, je montre un peu à la caméra. Voilà, le caramel est fait. Vous voyez? Il est resté liquide, joli, couleur caramel, comme on dit. Et donc, on va le placer directement sur le moule. Donc, on va faire. Ouais, attention, des versions des préparations, il y en a plusieurs. On peut le faire dans des ramequins et on peut le faire aussi dans un gros flan. Donc, on a pris ce moule-là pour le faire. Donc, attention, le caramel, c'est dangereux pour la raison. La bonne et simple raison, chef, que c'est très chaud et que ça risque de. Vous voulez une marise peut-être? Non, c'est bon, je vais le faire comme ça là-bas. Ah ouais, ça va être suffisant? Oui, s'il en reste au fond, c'est dommage quand même. Hein? Attention à la caméra, par contre, c'est bouillant votre truc dessus. Hein? Oui, chef. On peut peut-être taper la caméra avec. Voilà. Donc voilà, on répartit un peu le caramel. Hein? Alors, c'est pas la peine de napper complètement le moule, hein? C'est juste le fond. Parce qu'une fois qu'on aura démoulé, il y a le caramel qui doit se répandre autour. Donc voilà, ça c'est fait. Pourquoi je l'ai mis dans ce plat qui n'est pas très beau, pas esthétiquement parlant?
mais il va nous permettre de le faire au bain-marie, hein, comme tous les bons flans qui se respectent. Ouais. Donc voilà, l'eau caramel est déjà prêt, on va réserver ça. Vous voyez, c'est relativement simple et rapide à faire. Une petite demi-heure de préparation. Il reste un peu de caramel encore. Mettez-le sur les bords là où il n'y en a pas, parce qu'il y a des noix que vous n'avez pas mis. Ça s'est pas étalé. Enfin, quand je veux dire les bords, c'était pas vraiment les côtés, c'était vraiment les coins. Oui, j'ai compris, mais ça va s'étaler, chef. Non. Ça sèche trop vite pour s'étaler, je le vois bien. Oui, chef. Alors, ensuite, chef, nous allons préparer donc l'appareil du flan. Et pour ça, l'appareil demande de quoi ? Du sucre, donc on avait dit les 40 grammes. Checkez-moi ça, la rafale ! La rafale ! Merci bien sur Reverb pour le mois d'abonnement. Pour le 19e mois d'abonnement, c'est fou ça. Waouh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 19 mois, ça fait plaisir, merci. C'est pas mal, 19 mois quand même. Ouais, 19 mois quand même ? Et ouais. Et ça fait combien de temps, chef ? D'ailleurs, je crois que Raptor, c'était le 19e mois aussi, je crois. Ah oui, oui. Et il était dès le début, Raptor, c'était avec nous. C'était aussi son 19e mois. Raptor, dès le début, il était avec nous. Par contre, et s'il y en a un ou deux, ou une petite gorgée, une petite gorge, c'est avec plaisir. Il a soif, si vous voulez lui donner des gorges, moi pour l'instant ça va, mais si vous voulez m'en donner, je les vous prendrai avec plaisir, je prendrai avec plaisir. Pour honorer quand même. Il y en a déjà une pour vous, du coup, Raptor. C'est bon, mais merci. Paquet. Enfin, et voilà. Une super casquette aussi, donc deux gorges. Waouh, merci. Bien joué à vous, merci pour la réactivité. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut compter sur vous. Merci. Il y en a qui suivent, c'est ça. Oui, complètement. Alors, donc nous continuons. Donc là, j'ai mis. N'oubliez pas qu'on avait dit tout à l'heure 100 g de sucre, 60 caramel qu'on a déjà fait, les 40 pour faire l'appareil. Alors celui-ci, nous allons ajouter 3 œufs. 3 entiers ? 3 entiers, tout. Je peux vous aider là, parce que... Allez-y, je sais que vous adorez ça, casser les œufs là. Alors attendez, est-ce que je vais y arriver comme un ancien ? Wow, ça marche. Ça, c'est la grande classe internationale. C'est ça, c'est une technique tapeur. C'est la grande classe internationale. Attends, c'est les doigts. Non, celui-là, il était raté un peu. Oui, il y a des œufs qui sont un peu résistants. Voilà. Attention, on ne va pas déconner. Voilà, gentiment. Ah, c'est un œuf dur, peut-être, on ne l'avait pas vu. Oui. Allez, enfoncez. Ah, voilà. Très bien. Attention, pas des doigts. Parfait. Allez, essayez de faire l'autre là. Pour le fun. Et voilà. Ça passe. Ça, c'est la classe internationale. Merci, chef. Je me l'avais demandé par contre. Allez-y, chef. Le problème, c'est que technique, c'est que ça salit les mains. Quoi. Absolument. Et vous savez ce que vous voulez, ça ? C'est le souci. Là, on vient de faire une faute professionnelle. La poubelle de table, c'est la ça ? La poubelle de table, chef. Ah. Même pas besoin de regarder, je savais. Et ça, ça n'est pas possible, chef. C'est de l'irrespect, je trouve. Voilà, ça, c'est... Là, on n'est pas... Non, c'est fini, ça. Donc voilà, nous avons mis 40 g de sucre, les 3 œufs. Chef qui a dextérité, merci. Et nous allons fouetter ça. Ouais. Si voulez-vous le blanchir, on appelle ça blanchir. Je peux blanchir. Voilà. Pendant que je vais chercher une paire de ciseaux pour ouvrir le lait de noix de coco, chef. Tranquillement. Il faudra, je vais allumer en même temps le four. Il faut l'allumer à 150 degrés, hein, thermostat 5 à peu près, pendant le réchauffer pour faire la cuisson du flan. Donc. De ce pas, j'y vais, chef. Petite cuisson à 150 degrés, ça fait plaisir. Oui, sûrement. Ouais. Et ça, ouais, ça, 40 g pour 3 œufs, c'est pas trop, 3 œufs ? 40 g pour 3 œufs ? Non, c'est bien. C'est okay. Non. C'est parfait. C'est super. Alors. C'est parfait, chef. Voilà. Vous pensez que c'est trop d'œufs par rapport au sucre ou pas assez de sucre ? Je sais pas. Non, pas trop d'œufs, je mets peut-être dans ma tête. Hein. Non, c'est bon. Ça marche comme ça. Hein. Bon, c'est un dessert qui risque d'être sucré. Hein, parce que quand on calcule à peu près 100 g de sucre pour 20 cl de lait concentré, s'il vous plaît. Ouais, quand même. C'est un dessert qui est sucré, donc il faut le manger très frais. Pour éviter un peu l'écœurement, le sucre. C'est parfait, chef. Merci beaucoup. Donc à cela, on va ajouter les 10 cl de lait liquide, si vous voulez. Encore. Il faut fouetter, pas mélanger. Voilà. Ça marche. Là, c'est tout le. 20 centilitres de lait aussi ou 10 centilitres ? 10 centilitres de lait. Là, 10 centilitres de lait, chef, seulement. Hein ? Je vais chercher une narine pour verser le lait concentré dont on a besoin pour. Vous savez pourquoi, quoi.
Sinon, tu utilises un fouet, donc tu fouettes forcément. Quoi. Alors, ouais. Voulez-vous verser le lait ou comme vous voulez, allez-y. Vous savez. Hein. Non, ah, si ah, vous oui. Voulez, voilà, ah, si vous voulez. Ouais, si vous voulez, ouais. Moi, je continue à, comme on dit, raptor à fouetter. Hein. Allons-y. Ah, nickel. Moi, je pensais que c'était plus costaud le lait, qu'il était plus dense. Ah, ouais, ouais. Ah, mais c'est nickel. Voilà. Excellent. Bien mélangé parce que comme on s'est allé concentré, densifié, il faut quand même qu'il s'incorpore à l'appareil, quoi, hein, donc pour les liquides et aux œufs. Voilà. Ça c'est beau ça. Voilà, donc nous avons déjà incorporé le lait concentré ainsi que le lait liquide. Hein. Je sais pas comment on peut dire ça, le lait de vache. Et voilà, c'est parfait, chef. Voilà. Pas une goutte. Mais je comprends. Plus il est riche, mieux c'est quoi. Exactement. Plus il est sucré, mieux c'est. Voilà. On comprend pas comment les gens n'aiment pas le sucre. Voilà. Voilà. Donc une fois ajouté ça, hein, comme dit notre ami Raptor, faut fouetter et pas mélanger. Voilà. Là on va rajouter donc le lait de noix de coco, chef. Ouais. Voilà. Une petite ouverture dans le règle de l'art. Voilà. Et on ajoute donc à ce mélange, à cet appareil, l'eau. Le lait de noix de coco qui va donner effectivement ce petit parfum hein, qui fait la différence entre un flan classique que l'on connaît en Europe hein, et un flan effectivement thaï ou thaïlandais quoi. L'utilisation de la noix de coco et on la voit partout hein, y compris dans les plats salés. Il y a des plats salés où on met le lait de noix de coco. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être que Raptor il s'y connaît un peu, s'il peut nous donner des noms de plats thaïlandais à base de lait de coco. Comme ça, mes propos vont avoir une illustration. Je sais pas si c'est son, il sait pas. C'est son domaine d'expertise. C'est pas son domaine. Mais il est bien mangé, peut-être qu'il a quand même pas mal fréquenté des endroits où ouais, on mange. Ouais, mais lui il est plus burger, ah, tout ouais. Ça quoi. Ah ouais, c'est plus, ouais. Là non. Dans ces cas-là non. C'est pas sûr que, ouais, ouais. Je pense pas. Voilà chef, l'appareil, coco, ouais, on va s'y dire. Ça, oui, je crois. Ah oui, c'est pas toi qui aime pas le coco d'ailleurs. Ah, il aime pas. Je sais plus, je sais pas si c'est lui qui en avait parlé, mais... Ah mince alors. Comment on va faire pays, ouais, tous les pays sauf la Thaïlande. Ah oui. Ouais, voilà. Bon voilà chef, donc le four vient de biper. C'est qu'il nous indique... Bon, ça. Ah ouais, c'est ça, ouais. Il aime pas le coco, ouais. Il aime pas le coco. Ouais, ah, comme vous là. Moi ouais, je comprends, je suis pas très fan non plus. Je sais pas, j'aime pas, je suis pas fan. Si je peux éviter d'en avoir dans mes plats, je l'évite quoi. S'il y en a, bon, je fais l'effort, mais... Et ouais, donc voilà, on a fait ce qu'on a fait. Bien dit ça. Voilà, et ce qu'on a fait, c'est fait. Voilà, donc nous allons mettre l'appareil qu'on aurait dit. En fait, chef, là, maintenant, je viens de comprendre, il faut le chauffer un peu le lait. Ah, et ouais, donc on va le mettre. C'est pour ça que je me disais, pourquoi j'ai la casserole à côté. Mais donc, c'est pas grave, on va la chauffer un peu et on la verse dans le plat. Chef. Aïe, 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 ça oui. Commence. Eh ben c'est pas une mauvaise idée de chauffer le lait concentré, genre. Non. Oui, oui, parce qu'il faut le faire un peu. Le sinon... lait concentré, quand on le chauffe, ça devient du mantra, non? Non, il n'y a pas de souci, il faut juste le chauffer un peu. Pour le... Oui, chef, pour le mettre. Enfin, au moins, je suis sûr qu'il fallait le chauffer, quoi, ça. Voilà, donc, vous me déplacez la caméra ici, chef, on va chauffer un peu. Voilà. Ce que je me disais, il y a un truc qui ne va pas, effectivement. C'est que l'appareil est fait, mais en fait, c'est le mélange qui doit se faire comme ça. Juste les OPI, quoi. Voilà, juste un peu chauffer le lait. J'ai pas la ref. Yam délicieux de coco très utilisé dans la cuisine indienne, dans le dal par exemple. Ah, exactement. Ouais, dans le dal. Ça, c'est souris verte. Ça peut se faire sûrement dans le dal, j'en sais rien, c'est possible, j'aime pas ça. Donc... Ouais, c'est vrai. Si quelqu'un a une petite gorge à me donner par exemple. Voilà, chef. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci bien. Voilà, donc on chauffe un petit peu le lait, hein. Pas beaucoup, hein. C'est juste un peu le tiédir, chef. Et on va le placer après dans le moule. J'ai déjà vu quelque chose que ça va faire. Ah oui, oui, c'est vrai.
Et vous savez pourquoi il faut chauffer entre l'olé en fait, chef? C'est pour les particules de sucre. Bah, surtout pour l'œuf. Il faut un peu le. Ouais. Voilà. Ah oui, j'avoue, le. Ouais. Et oui. C'est pas dangereux le fait qu'il y ait l'œuf déjà dedans aussi, là? Non, parce que normalement on verse le lait chaud dans l'œuf. Alors c'est pareil, si vous voulez. Hein, on a changé un peu le. Mais sinon ça va aller. Voilà. Donc là c'est bon. On est mort, les gars. Hein? Heureusement, ceux d'hier n'ont pas été ratés. Voilà, non. Chef, voilà. Là je verse donc la totalité de l'appareil. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire, chef, là maintenant, avant de le passer au four? Ouais. On va mettre le chrono à 35 minutes. D'accord. On va mettre de l'eau au fond de cette plaque, parce que la cuisson doit se faire au bain-marie. Bien vu. Voilà, donc nous avons le flan qui est prêt à être enfourné, chef. Yes. Vous avez mis le chrono? Oui. On m'a dit de mettre le chrono. On y va. Donc c'est parti pour 35 minutes de cuisson à 150 degrés, thermostat 5. Hein. Voilà. Chef, ouais. C'est bon. Bah, super. Hein. Donc une première partie. Dans le chef, pourquoi non? J'attends. Il me dit chrono 35, j'attends. Allez-y. Je l'ai prévu. J'étais la tête baissée parce que j'étais en train de le mettre sur mon téléphone, justement. Du coup. Oui, chef. Ah, parce qu'il y en a qui doutent. Bah, Raptor n'a pas confiance, visiblement. Il me dit le chef ouais. Dort alors que. J'attendais qu'il mette le truc au four pour lancer, quoi. Parce que j'étais. Bien sûr. Pour être sûr d'être bien au bon moment. Voilà. D'activer le minuteur quand il fallait. Parce que c'est aussi ça le but, quoi. Le mec répond même pas. Ah, t'as dit un truc avant? C'est quoi sur la crème pâtissière? C'est quoi que tu veux que je réponde de quoi? Il y a juste un peu de. Mais quoi, mais attends. C'était juste pour la crème pâtissière parce que je pensais que tu donnais juste un avis, quoi. Mais oui, je suis d'accord, si c'est celle que tu voulais. Une excellente journée culinaire, les chefs, je sens que la dégustation va être un délice. Merci OBS, bonne journée à toi aussi, bon courage. Ouais, merci beaucoup, bon courage, bonne confirmation. Et à très bientôt, OBS, merci d'avoir été présent avec nous. À dans 15 jours, salut. Salut, merci, bisous. Beaucoup. Voilà, chef, donc en fait, nous avons lancé cette préparation de flan thaï. Et d'ici 35 minutes, donc on aura le résultat qu'il faudra laisser refroidir. Donc c'est pour ça que l'anticipation de la préparation la veille va nous permettre de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, chef. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce qui me concerne, à part vous dire encore une fois que je suis très content de vous voir ici parmi nous ce matin, voilà, et que c'est une nouvelle année qui commence. L'émission continue jusqu'en fin d'année, mi-année 2023, voilà. Ouais, juin, quoi. Jusqu'en juin, c'est ça, la mi-année. En juin, quoi. Voilà, et que donc une petite gorge, ça me ferait plaisir. Encore une, disons. Hey, il fait chaud, je trouve, non? Alors, juste ton chef pâtissier te parle, tu lui réponds même pas, mais à quel moment je ne lui ai pas répondu de quoi? Par rapport à quoi? Non, je sais pas, apparemment je ne ai pas répondu à un moment, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas à quel moment, mais merci. Merci pour la gorge. Merci. Ah, c'est très bon. Ça fait du bien, chef. Hein? Mais après, complètement mort dans mon crâne, oui, ça, c'est pas nouveau. Ça. Ouais, mais vous l'avez vu, chef? Quoi donc? Les feuilles qui traînaient hier? Ah, ouais, ça, traîner comme ça, il y a je vous mets de l'eau, ça va. Ah, pardon, je me souviens. C'est pas grave. Alors, on y va. Donc, chef, où est-ce qu'on en est là? Dites-moi tout. Je me rappelle pas exactement, mais soit d'être une seconde, mais je sais pas, j'étais tellement concentré sur le minuteur que si tu veux, j'ai pas fait attention à ce qui se passait autour. Oui, voilà. Si je voulais être vraiment sur le moment précis du truc pour bien le lancer dès qu'il passait, on m'a dit 35 minutes. 35 minutes. C'est 35 minutes. Exactement. Pas plus, pas moins. Faut pas chipoter là. Mais c'est pas une question d'être mort, justement, parce que c'est pas juste, il y avait rien dans ma tête. J'étais concentré sur une chose en particulier, si tu veux, c'est surtout ça, quoi. Vous êtes toujours en discussion, là, chef? Comment? Bah oui. En conversation? Bon, voilà. Donc, chef, moi, pendant que vous commencez peut-être à annoncer votre plat, je vais commencer à nettoyer le reste, comme ça. Ouais, par exemple. Hein. Ouais, c'est une bonne idée, ça. On peut essayer de faire ça. Je pense qu'on va le faire, maintenant. On va le faire? Ouais, parce que comme ça. Déjà, c'est moi qui décide. Tout à fait, chef. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour commencer. On commence? Je pense que je vais commencer. Alors du coup, donc moi le pad thaï, donc vous connaissez sûrement deux noms au moins. Donc le plat typique de Thaïlande, c'est un plat que beaucoup font là-bas. Je pense qu'ils sont à peu près exactement dans tous les restaurants thaïlandais possibles au monde, en France et en Thaïlande et dans d'autres pays, j'imagine. Et vous avez un nom? Pardon? Il s'appelle comment le plat, chef? Pad thaï. Ah, pad thaï. Ouais. Donc voilà, donc le pad thaï, donc un classique, comme on dit. Bon, y a tous les ingrédients là-haut, mais pas de taille. Il n'y a pas de. Ouais. Pas de taille. Salut les chefs, salut le chat. Mais non, Thibaut, ça va ou quoi, Tip? Fais plaisir, mon petit mec, mon petit gars, mon petit. Oh, mec!
Encore désolé d'avoir raté la dernière fois ton putain de stream, mec. Je voulais trop voir ça. Je suis dégoûté. J'ai pas envie de réseau, mec. Je voulais te voir réparer cette guitare, quoi. Comme... Le jour où on l'avait coupé le réseau. Non, non, c'est une autre fois. Ah, d'accord. Mais écoute, j'espère que tu vas bien. En tout cas, mec, ça fait plaisir de te voir ici. Mais voilà, chef. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Bah ça va, mec, ça va, ça va. Écoute, tout va bien. Donc du coup, donc on va commencer ici la recette donc du pad thaï, PAD plus loin thaï, évidemment. Alors je crois qu'il y a différentes orthographes. Je crois que bon, pad thaï c'est écrit à la française. Je suis pas sûr que ça s'écrit comme ça ou que ça. Je crois que c'est la prononciation du mot. En français on l'écrit comme ça, mais bon, si vous cherchez sur internet, vous verrez que c'est peut-être pas les mêmes mots utilisés en Thaïlande, mais enfin logique, mais. Et puis ouais, donc du coup, on va commencer tout de suite. Pad thaï. Ah, ça marche aussi, pad thaï, parce que ça vient de ça un peu, je crois. Il y a ce truc des pâtes, parce que c'est à base de pâtes. C'est des pâtes, ouais. À base de nouilles de riz, donc. Il y a un peu ce truc-là, ouais, de pad thaï, en vrai. En vrai. C'est un peu le. Principe. Il y a un peu. C'est un peu le but du jeu de mots, quoi, si tu veux. Donc, bienvenue à toi. Et chef, du coup, ouais. Bon, on y va. C'est quoi les pâtes? Quel type de pâtes? C'est des pâtes riz? Nouilles de riz, comme j'ai. Ah, ouais. Vous avez pas entendu, parce que j'ai le jet d'eau, là. Ouais, ouais. Ah d'accord. Ah, je vais parler un peu plus fort. Qui? Moi? Non, moi. Ah oui. Non, ça vous va. Vous entendez mieux. Vous entendez plus fort peut-être. Non, je vous entends. Le problème c'est que je vous entends à moitié parce que j'ai le bruit de jet de l'eau. Ouais, là. Ouais, j'entends. Mais bientôt là, ça va être fini, la chef. Super. Vous l'entendez vous aussi? Alors ouais, je vous. Ouais. Voilà. Voilà, chef. Ok. Allez. Allez, on va essayer on de. On va. Temps, ouais. Puis on va se lancer tout de suite, quoi. Oui, chef. Donc du coup, vous venez un peu la caméra, parler aux gens, voir un peu les. Oui. Alors voilà. Donc nous allons attaquer la deuxième partie de cette émission qui a démarré depuis à peu près une demi-heure, un peu plus. Et nous avons préparé dans un premier temps le dessert qui est un flan donc à la noix de coco, et dont les préparations sont à peu près similaires à celles d'un flan classique. Sauf que là, il y a trois types de lait, hein, qu'on a ajouté à ce flan-là. Donc, le lait concentré, sucré, le lait normal et le lait de noix de coco. Il y a une préparation, donc pareil, la base avec un petit caramel au sucre. Donc, on fait un caramel sec. Hein. Un caramel sucré au sucre. Voilà. Et on finit, on lance la cuisson à, évidemment, de la même façon, c'est-à-dire au bain-marie. Voilà, une fois que ça fait... Là, c'est 150 degrés à 5 thermostat 5 au four pendant 35 minutes et la cuisson sera faite. On va réserver évidemment et après on va déguster avec des copeaux de noix de coco hein, ou des noix de coco râpées. Voilà, donc là maintenant, notre chef bien-aimé ici présent est en train de faire sa mise en place pour préparer le pad thaï, c'est ça? Pad thaï. Pad thaï, voilà. Donc pour ça. Il aura besoin, bon, vous avez déjà affiché, il a bien anticipé, vous avez donc sur votre écran la recette, ah oui. Enfin les ingrédients plutôt, parce que la recette on va vous la montrer au fur et à mesure. Exactement, bien dit ça. Mais vous avez donc les ingrédients bien détaillés pour faire ça. Il y en a quand même pas mal, mais relativement simple quand même, chef, je pense, non? Donc nous démarrons avec une préparation comment, chef? Qu'est-ce que vous faites en premier? Alors là, je vais porter les questions, une grande casserole d'eau pour commencer. Parfait. Donc voilà, rien de très intéressant pour cette première étape. D'accord. Et là, l'eau, il y a une bonne quantité d'eau. C'est pas grave, il n'y a pas de. Non, non, en fait, ouais. Ce sera juste de l'eau. Il faut chauffer de l'eau pour les pâtes. Ouais, pour faire cuire les pâtes, en gros. Voilà. Enfin, pour les ramollir surtout. Oui. Plus que pour les faire cuire. Parfait. Ensuite, avez-vous besoin d'autre chose? Écoutez, pour l'instant, pas vraiment, en fait. On peut peut-être s'avancer sur le reste. Mais en même temps, s'avancer sur le reste. Étant donné qu'il n'y a déjà pas grand chose à faire, ça va. Ah ouais, donc à 11h, on a fini quoi. J'ai fourni tout ça là, tranquille. Ouais, ouais. Hein? Non, en vrai, là ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ah, si, je peux commencer la petite sauce peut-être. Ouais, est-ce que vous avez besoin des légumes, des choses comme ça pour faire cette préparation pas ou les pommes de terre, ou des oignons qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, attendez, juste, parce qu'il y a eu des messages, vous ne me les avez pas lus, donc je vais les lire. Non. C'est vrai qu'il faut que vous fassiez du stand-up, les mecs. Bon, on est en train d'écrire là, en ce moment-là. Oui. On est sur un petit spectacle, donc bientôt. On passera par chez toi, mec, t'inquiète. J'ai jamais goûté le pad thaï, mais tout le monde dit que c'est excellent, ça va être l'occasion d'essayer. Bah, exactement. Alors, comme je disais, on va pas faire la version originale du plat, parce que normalement c'est à base de crevettes. Et comme j'aime pas du tout les crevettes, j'ai trouvé une version au poulet, en fait. Qui se fait aussi, hein, y a des variantes, il y a des variantes végétariennes aussi, à base de tofu, machin. Bon, j'en ai parlé déjà dans le chat, mais. Bien sûr. Moi je passe ma place première en bas. Écoute, mec, avec plaisir. Vive le rire, les blagues, bonnes ou mauvaises, oui, c'est vrai aussi. Oui. C'est pas très envie de pataille, j'adapterai pour une version végétarienne. On va faire une version végétarienne aujourd'hui. Voilà. Au tofu, ça, bien sûr. Il y en aura pour tout. Tofu au 7 ans à la place du poulet, ça peut le faire. Ouais, 7 ans, ça peut peut-être le faire aussi, je sais pas, mais. Oui, oui. Mais
Je pense tofu, c'est bien. S'il est bien assaisonné en plus, ça doit. Oui. Je sais pas s'ils en font au seitan là-bas. Je sais pas si le seitan c'est très répandu en Thaïlande. Le tofu plus, je pense déjà, mais le. Le seitan peut-être un peu moins. Ouais, je pense pas. Est-ce que vous pouvez me passer éventuellement sur un bol? Ah, même avec plaisir, chef. Ouais. Ouais, ouais. Un grand bol, moyen bol, petit bol. Non, un petit bol, je pense, que c'est pour une petite sauce sympathique, quoi. Pour faire une sauce. Hein. Une petite sauce. Une petite sauce, hein. Non, peut-être. Ouais, est-ce que ça suffira? Non, attendez, à moyen, on le restera après. Là. Non, mais en vrai, ça suffira, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Bon, mais on y va, hein. Ça ira, ça ira. C'est vous qui voyez, chef. Hein. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Exactement. Alors là, pour commencer, pour la sauce. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous faut? Moi, je vais utiliser. Alors, normalement, il demandait de la sauce de chili doux, mais j'ai pas trouvé ça. Donc, du coup, on va utiliser. Alors, attendez que je comprenne laquelle est laquelle. Bon. Alors. Du coup, donc, on va utiliser de la sauce sriracha. Qui est très bonne évidemment, que tout le monde connaît je pense, la fameuse sriracha qui fait plaisir. Ouais. La sauce au piment. Elle pique. Ouais, elle pique. Mais c'est le but aussi. Mais il faut que ça pique, il faut que ce soit relevé. Je pense que la cuisine thaïlandaise, pareil, c'est un truc qui est assez relevé généralement, assez piquant, ouais. Ils aiment bien le piquant, ouais. Quoi. Ouais, moi j'aime bien, moi j'avoue que. Vous vous souvenez quand on avait fait la cuisine mexicaine aussi? Ah, c'était bien relevé. Ouais, c'était bien. Les œufs, tout ça, c'était bon. Ouais, c'était super. C'était délicieux. Alors, vous pouvez m'apporter la balance? La balance, oui, tout de suite, chef. Merci bien. Sans vouloir balancer, chef. Donc voilà, donc pour dire de la sriracha et de la sauce Ngoc Mam. Yes, sir. Puis vous voyez que je peux vous montrer là d'ailleurs, tout de suite simplement. Voilà, la sauce Ngoc Mam. Voilà. Donc, un classique de la cuisine asiatique aussi. Oui. Alors. Quoi? Non, parce que j'ai rien à l'image pour le grammage. Alors. On va se mettre. Un millilitre. D'accord. Ok, c'est bon. Donc il nous faut. Du coup, alors attendez, combien? Je crois que c'est 125 millilitres de sriracha. Ça, ah ouais. Ouais. Ouais, voilà. Sauce, quoi. Donc 125. Hein. Bon, ça fait pas beaucoup. Hein. Ah. J'ai mis. Non, c'est 125. Donc ouais, c'est donc ça fait 12, non? Millilitres, non? Non, c'est 125 millilitres. Ah ouais, je vous apporte un truc plus grand là. Voilà, peut-être. Ouais. Ah là. Alors, pour les incrédules, on va montrer exactement la quantité de pile poil. Là, c'est bon? Non, c'est bon. Hey, non, c'est 25. Montrez, s'il vous plaît. On va pas pouvoir montrer. Ah, y a. Pourquoi on peut pas montrer? Vous avez tout cassé. Voilà. Et non. On a marqué 128, alors c'est bon. Voilà. Donc, 130. C'est la balance. Non, il a tout bougé, ça a tout cassé, c'était bon. Et c'est voilà. Non, 125, 126. Bon, on va le laisser là. C'est bon, 126. Ouais. Mais vous savez quoi? C'est la balance, ça dépend de la surface alors. Non, je pense pas. C'est pas normal qu'une balance se change comme c'est ça. C'est pas grave, on va s'occuper de ce qui est marqué là. Il va falloir donc 80 ml de sauce Ngoc Mam, du coup. Mais vous la rentrez dedans là? Comment? Vous la mettez dedans? Oui. D'accord. Oui, bah oui, c'est. Ouais. Donc alors, attendez, on va remettre à zéro, excusez-moi. Ah, oh, vous avez dit, hein, il faut pas additionner? Bah, c'est pareil. Et là, vous mettez combien? 80 ml. 80. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, hein? Une balance dépend de son emplacement et de son équilibre. Il a bien raison, c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire à mon chef qui s'est énervé contre moi, qu'effectivement, c'est selon comment. Je me suis pas énervé, je me suis énervé quand vous avez bougé. Selon le déplacement ou la, effectivement le plan. Est-ce qu'on a un petit citron vert quelque part? Ouais. Un citron vert quelque ouais, part. Ouais, on en a plein, chef. Il n'y avait pas une moitié qui était prête? Oui, il y a une moitié qui est dans le frigo, qui est prête à être utilisée. Et elle est protégée par un film alimentaire, chef. Voilà, sinon, des citrons verts, on en a un pagaille. Hein. Vous en avez besoin, chef? Oui, bien sûr, on aura besoin. Vous faites un jus avec? Là, ouais, je vais prendre le jus du citron vert, exactement. 3 cuillères à soupe de... Je vais afficher la recette de sauce, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas depuis tout à l'heure, et ça, c'est un peu chiant. Voilà, chef, si vous voulez pour... Ouais. Hein, et vous voulez un verre? Et après, on comptera les cuillères à soupe? Ouais, à la limite, ouais. Hein? Alors on a encore le truc de la Hess, on s'en rappelle. Hein, mexicain. Qui marche pas bien du tout. Si, il marche bien celui-là. Est-ce que c'est comme ça? Ouais. Mais voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. Oh, mais par contre, là, on ne fait pas une cuillère à soupe. Hein, vous en donnez d'autres? Non, ça va pas être suffisant du tout. Non. Hess. Alors? Ancienne de fou ça. Ah ouais, mais celui-là surtout c'est celui vraiment de la Hesse, hein. C'est pas. Il vient d'où déjà celui-ci exactement? Vient du Mexique. Ah ouais, c'est ça le problème.
Non, mais vous voulez le truc classique? Non, on va faire avec ça. C'est... Ouais, c'est pas mal quand même. J'ai l'impression qu'on perd pas du tout là. Si, si, attention. Non, mais on perd pas de ça là. Parce que les bords là, ils sont encore. Je suis sûr qu'on peut retirer encore. Ah oui, largement. Ah, mais si, oui. Si. Mais voilà ce que je dis, on perd. Je comprenais pas, le chef. Mais je dis on perd, vous me dites non. Ouais, non, on perd pas. Si, si, on perdait là. Mais non, voilà. Allez, chef, je... bon, un autre pas. Faites... Bah oui. Il nous faut 3 cuillères à soupe donc. On aura clairement pas assez là. Le prince agrume in RDR, c'est ça, hein, clairement. De quoi? La cuir, le presse agrume made in RDA. Alors, let's go. Ouais. C'est vrai que c'est pas très. C'est mexicain, chef. Hein, ouais, je sais bien, je sais. Ouais, je sais. Trop exigé, quoi. Ils font de leur mieux après, hein. Ouais, voilà. C'est ça qu'il faut se dire, quoi. On peut pas tout réussir, quoi. Non, non, non. Non. Après, ils font de la bonne cuisine, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ont essayé, puis. Ouais. Ouais. C'est ça le problème. Et c'est pas mal, ça. Hein. Ok. Allez. C'est bon, là. Hein. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je pense qu'un demi-citron égale à peu près une cuillère à soupe de. Ça dépend, de... ouais, quoi. Oui, oui. Bon voilà, mais enfin c'est surtout pour le fun qu'on fait ça parce que c'est vrai qu'on a un presse. Ouais, c'est vrai que c'est pas fun là pour l'instant, mais hein. C'est pas très fun pour toi. Voilà, c'est pour montrer que voilà. Je m'amuse très peu là. Que chaque pays souffre comme il veut de son presse citron quoi. C'est clair. Voilà. Les pauvres, ça me fait de la peine, hein. J'ai envie de faire, ouais, un don au Mexique. Ouais, on va faire un don, ouais, un don d'idées. Ouais, on leur donne des presse agrumes qui fonctionnent, voilà, quoi. Non, mais je pense que ça c'est un truc surtout pour la déco quoi, c'est pas vraiment. Ah ouais, et vous me donnez, ouais, ça pour votre travail. Voilà, parce qu'en fait on m'avait donné un pareil, un plastique, mais qui a pété tout de suite. C'est le manche a cassé. Là, bonjour, je pense que vous avez les 3 cuillères, chef. Vous voulez, ouais, qu'on essaye? Ouais, bah écoutez, ouais, je vais le faire. Hein. Cuillère à soupe, on m'avait dit? 3 cuillères à soupe. Ouais. Une belle, je sais pas. Une belle? Ouais. Elle est jolie, ça. Non, j'aime pas trop les. Ah, ah ouais, 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 ouais. Voilà, chef. Alors, une cuillère à soupe. Comptez, s'il vous plaît, en même temps que nous, parce qu'on sait jamais. C'est pas droit. Deux. Deux. Ah. Et trois. Voilà. Et ben, je vais mélanger, hein, tout simplement. En fait, oui. Enlever l'avance, peut-être. Oh, ça va changer grand-chose. Mais... Donc, ça, c'est une petite sauce sympathique. C'est ça, c'est qui risque d'éveiller les papilles. En fait, c'est la sauce, hein, qu'on va mettre dans la poêle, en fait. Ah. Vous voyez un peu le... Je vois. Ah, super ça. Super, super. Est-ce que quelqu'un peut-être a la ref de savoir pourquoi, par exemple, dans des pays comme en Asie ou en Amérique latine et en Afrique, notamment, on aurait tendance à manger quand même des plats assez relevés. C'est vrai que tout type de piments existe un peu partout dans le monde. Pourquoi? Cette façon de manger relevée, chose qu'on n'a pas, par exemple, dans l'esprit culinaire occidental, européen. Mais je pense qu'en Occident, globalement, on est un peu des fragiles aussi. Je pense que c'est ce qui fait le... Ouais, on est un peu des fragiles, ouais, ouais. Et après, peut-être aussi, des fois, alors, ça, c'est une théorie, évidemment, ouais, je suis pas sûr que ce soit forcément vrai, mais peut-être qu'ils avaient des produits aussi, des fois, de mauvaise qualité. Et c'est un peu pour cacher le goût, un peu cache-misère, peut-être. Ouais, pour peut-être. Voilà. Parce que, c'est vrai qu'on n'épice pas beaucoup en France, par exemple, il y a très peu d'épices finalement. Très peu. C'est des condiments plutôt. Voilà. Ouais, mais enfin, voilà. Et du coup. Mais on a souvent des produits de bonne qualité. Et peut-être les endroits, ils ont des produits de moins bonne qualité. Du coup, ils cachent un peu avec plein d'épices et plein de choses comme ça. Voilà. Je pense que vous avez raison. C'est une bonne piste là, des réflexions, parce qu'effectivement. Après, c'est pas forcément la vérité. En Europe, on a plus des moyens de conservation, des produits frais comme la viande, choses comme ça, que dans les pays effectivement. Asiatique, latino-américain, enfin, quoique, et africain. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, c'est une question de culture aussi. Il n'y a pas une raison génétique qui fait que notre palais est plus sensible au piment. Mais écoute, je ne sais pas. Mais après, est-ce que ça ne s'est pas développé, justement, parce qu'on ne mangeait pas épicé depuis toujours ouais, c'est ça, ouais. Par ici, du coup, bah, forcément, ça ne s'est pas développé. Mais... Donc oui, c'est peut-être génétique, c'est peut-être à cause de ça. Bah, peut-être que de base, tout le monde mangeait pareil. Et qu'après, Après, il y a les a priori. Par exemple, quand moi, je dis que je suis chilien, ah, Chili, c'est... Hein, Chili incarné. C'est relevé, ça, voilà, ça pique, gens, ça pique. Alors ça, c'est les gens très bêtes, ça. Voilà, ouais. Et, alors que pas du tout. Ouais. Je veux dire, enfin, au Chili, on mange... ouais, ça va, quoi. Là, c'est, globalement, c'est, oui, c'est assez on ok. On fait ouais. une sauce piquante à côté, pour celui qui aime bien piquant, mais c'est pas... Il n'y a pas de...
Voilà, donc c'est a priori, enfin voilà quoi, c'est. J'allais parler de la conservation des aliments en effet. Ah, peut-être Oui, aussi, ouais, c'est oui. possible, Mais c'est vous l'avez possible. dit, chef, hein, la conservation des aliments. Moi, j'ai Non? parlé de qualité des Oui, aliments. qualité, puis même pour. Ah non, c'était pour planquer un peu les. Peut-être Ouais, les. moi, Voilà, c'était c'est plus. ça les. Ouais, c'était pas vraiment pareil. Voilà. Très bien, donc, écoutez, la sauce est prête, en tout cas. Oui, Alors, chef, normalement, voilà, ouais, réserve. normalement ça se fait avec de la sauce au piment chili douce, Oui, que j'ai c'est pas ce que vous trouvé, avez dit, ouais, mais. et avec du tabasco aussi. Tabasco, on Non, oui, mais a. du coup, comme j'ai mis la sriracha qui pique Je pense que déjà, c'est parfait, je là. pense que ça va être Bon, bien. ça Je va le pense que faire. je voulais sentir un peu. Pas goûter, hein, sentir juste. Ah. Ah, ça sent. Sans, comment dirais-je, ça sent vraiment le piquant. Et pourtant, le piquant, ça se goûte Ça à la va, ça langue. va. Non, mais après, il n'y a pas de Donc on a mis avec souci. sauce gnocchi, du coup, sauce gnocchi qui est Du poisson? la sauce poisson, ouais, c'est ça. Voilà, et le citron qui va relever un petit peu, là, donner un peu de peps à la sauce, je pense. Ouais. Ouais, c'est en Alors, place au vinaigre. parti me chercher un café, je rien, il me donne un caramel direct sous les yeux. Ah. Alors c'est pas vraiment du café. Enfin, je peux te donner ça en tant que caramel si tu veux, mais tu vas pas Waouh, apprécier du ouais, tout. c'est. En tout cas, si le café ne réveille pas, ça va réveiller. Hein. Ouais, et Ça, puis c'est le clair. lendemain, tu risques Voilà, d'avoir des voilà. problèmes encore plus, si je peux me Voilà, permettre. C'est une sauce piquante en fait, si tu veux, globalement c'est quoi. vraiment, C'est ouais. 125 ml de sriracha, donc c'est la sauce Donc piquante. là, je pense qu'on va manger Tu doucement, vois, ça, hein, chef. sa sauce piquante, c'est la sriracha, un classique, tu sais, Ouais, qui pique bien quand même. voilà. Un peu de sauce gnocchi, Ça, c'est plutôt qui est, ouais, salé. c'est ça, la sauce poisson. Et un petit peu de Et du citron, citron vert, ouais, voilà. citron vert, Excellent, du jus de jus de citron citron, vert. voilà. Voilà. Donc ça pique pas mal, ouais. Ça, quand même. Mais c'est pour la cuisson, c'est fait exprès. Chef, vérifiez si l'eau est Ouais, il n'y a bien. pas de Ouais, souci, super. j'y Donc là, allais, j'y voilà. allais. Le chef est parti, donc il s'est déplacé jusqu'à l'avant. Ce que je vois, c'est que il prend. Enfin. Non, mais mettez le couvercle carrément. Vous Ah pouvez ouais, le vous poser. pensez? Oui, ça va étouffer, ça va Ouais, accélérer limite. Voilà. Vous le posez juste là. Non, voilà, directement posé, tout ça. Voilà, sans fermer. Voilà, comme ça. Super. Voilà, là, ça va le prendre vite fait. J'espère, ouais. Oui, ensuite, bon, ça C'est va, vrai. chef, hein, d'un point de vue timing. Oui. Voilà, donc nous avons déjà préparé la sauce qui va aller donc apparemment sur une poêle avec le reste. C'est ça, chef? Alors, répétez-moi ce que je disais le La, chat. oui, excuse-moi, la sauce là que vous avez Ouais. fait, elle va aller dans la cuisson C'est avec ça, la poêle. en fait, ça va se mettre dans la poêle, Ouais. dans laquelle ensuite on va ajouter. Ouais. En fait, je sais plus comment ça se. D'accord, vous allez Mais ça voir. va être pour relever le plat, quoi, en tout cas, Ouais, ça c'est voilà, sûr. c'est ça. Donc à mon avis, il faut aller mollo, quoi. Hein? Alors, pour la version végétarienne, je peux remplacer la sauce gnocchi par la sauce soja. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Je comptais mettre de la sauce soja à la Ah, place. ben oui, c'est vrai, Ouais, parce que comme c'est ouais, du ouais. poisson. C'est ce que je comptais faire pour la version végétarienne. Ouais. Donc là, c'est la sauce vraiment juste pour la version Est-ce que vous voulez que je viande. fasse une sauce à côté pour la version végétarienne maintenant? Je la ferai, Ah, oui, ouais, ouais. super. Ben, Pas de on peut soucis, la c'est pas faire à grave. côté déjà, comme ça, non, le temps que ça cuit, peut-être. Alors, doucement, par contre, quand vous me Oui. parlez. Alors, du coup, vous avez des questions, hein. Oui, N'hésitez pas j'ai à des lire questions, sur votre d'accord. tablette, Alors, c'est pas une qui est question. mise pour ça, quoi. Oui, mais moi, je sais pas trop la technique, vous savez, ça me... la technique et moi, ça fait deux. Donc, quelle question alors? Ok, donc oui, effectivement, ah ouais, on est d'accord que la poubelle de table, c'est très souvent un cul de poule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est bien vu, un Ouais. raptor. Et du coup, c'est quoi le. Mais je vois pas la. Ah, attends, si c'est bon. Ah, ok, parfait. Ah. C'est bien. Comment ça? Effectivement, on doit être particulièrement attentif quand on cuisine de poulet. Tout à fait. J'avoue que je l'ai pas, j'ai pas compris moi, mais. Mais parce que c'est un cul de poule, là, Oui, sinon. ça, ouais, ça, oui. Mais du coup, la fin de Bon, son. et Raptor, explicite un peu plus Ah, parce que vous n'avez pas ton compris non plus. observation. Vous n'avez pas compris non plus? Ouais, alors, il y a marqué. Et qui? Ouais. Il y a un somme. C'est quoi? Là, je comprends pas ça. Là, les mecs, Et qui c'est a un langage, seum, il ne fait pas il fait pas d'effort. d'effort. Non, mais j'ai vraiment pas compris. Je te jure, C'est j'ai pas tombé, chef. compris. J'ai vraiment pas. J'ai pas compris Ah, mais la. c'est tombé, chef. Ici, elle n'est pas drôle non plus. Mais non, parce qu'on est. Ouais, c'est pas qu'on est pas drôle, c'est Bah, qu'on moi, j'ai a compris un humour quand plus développé, tu quoi. faisais une référence avec, effectivement, ça, on appelle ça un cul de poule. Non, mais ça, Je on suis l'a. Ouais, d'accord. ça, je l'avais aussi, mais Et que c'est. donc, du coup, il faut qu'on fasse attention quand on fait du poulet, quoi. Oui, c'est ça que j'ai pas compris pourquoi. Alors, il y a un rapport entre le poulet et le cul de poule, Oui, ça, mais. évidemment, Ouais, mais mais je suis. c'est-à-dire, c'est Raptor, tu es dans trop quel sens? spirituellement Ouais, élevé c'est par ça. En fait, rapport je à pense nous. que ton Là, humour est vraiment franchement, trop, il est trop peut-être poussé. familier. On n'est pas, ouais. Voilà. Voilà. Nous, on n'est pas français, donc. Voilà. Alors. Alors, attendez, parce que en fait, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas de sauce soja. Donc ça peut poser problème pour faire la sauce. Laisse tomber. En cuisine. Ah! Ah! Allez, c'est trop Ok. subtil.
Ça y est, on a compris. Oui, ouais. Oui. Bon, d'autant plus que ce qu'on fourre généralement à Noël, c'est la dinde, hein, plus que la poule. Mais tout à fait, pourquoi pas, oui. Un chapon, ouais, éventuellement, ça. Chapon. Éventuellement, ça peut marcher. Voilà. Oui, mais tout à fait, bien vu. C'est vrai que le rapport entre le cul de poule, où on farcit, et c'est bien. Mais écoute, pas mal. En fait, je pensais que c'était pour ça, en fait, on cherchait un truc trop justement. Oui, on cherchait trop, voilà, on est trop. Un truc trop poussé, voilà, alors qu'en fait, c'était vraiment juste une blague de beauf, quoi. Voilà, finalement. Mais bon, en même temps, on reste quand même dans le culinaire, hein, chef, on peut dire. Oui, bien sûr. Voilà. Il dit qu'il c'était pour la dinde, mais c'était pour la blague. Ah, c'est bien. Et voilà. Ah, il a rigolé parce que je dis que ça restait quand même dans le culinaire. Ça, c'est bien. Bravo, Raptor. Tu vois, tu m'as lancé. Non, t'es chaud, franchement, ça fait plaisir. Merci, mec, pour ce trait extrêmement fin. Exactement. Ça fait plaisir, en tout cas. On avait besoin de ça, tu vois. Ça nous, voilà. Moi, ça me remet d'aplomb, là, j'ai envie de continuer à travailler, de lancer. Bon, alors, Lou, on sera prête à un moment, mais je vais montrer quand même. Alors, non, je l'avais pas entendu, celle-là. J'ai une bonne deuxième fois, du coup. Bah, let's go. Alors, du coup, les pâtes, donc il faut des rice sticks de la Cock Brand. Voilà. Mais pourquoi c'est une prononciation anglaise, au chef? Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Simplement. C'était pas une colonie anglaise, non? Ça fait plaisir. Salut, Ivar 29. Ouais. Enchanté, bienvenue à toi. Ah, bienvenue. Seaworld et Vanilla. Welcome. Non, ça veut dire le mari de la poule, ça. Ah. Celui qui réveille le matin les... Ah, oui. Vous voyez ce que vous dire? Non, c'est... pas être banni pour ça, quand même. Donc les rice sticks, donc du coup des nouilles de riz, quoi, en fait. Voilà. Donc, des nouilles de riz, voilà, tout simplement. Donc dès que l'eau sera bouillante, je pourrais jeter les... Je pense que c'est pas encore bon, mais allez voir dans le doute, ouais. Dans le doute, hein. Elle est en train de buller. Elle frémit encore, non, jusqu'à... Quoi ? Elle est en train de buller. Ouais, voilà, elle frémit, mais elle est pas encore prête. Remettez. Ouais, pas mal, hein. Le temps que ce soit bien prêt, quoi. Voilà, chef. Ouais, donc ça c'est... Voilà, mais on laisse les amis tout seuls là. Mais c'est vous là, vous allez voir mon truc. Non, j'ai dit je vais voir. Oui, mais c'est mon truc. Mais je vous ai prévenu. Oui, mais moi je vous dis non, c'est bon, c'est pas encore prêt, j'ai dit. Et vous m'avez pas cru. Non. C'est ça le problème. C'est que vous m'avez pas cru. Alors que si, je vous ai dit. Si, que si, pas bon, voilà. Vous allez me traiter des raptors maintenant, hein, je vous crois pas. Raptor, c'est pas qu'il me croit pas, c'est qu'il fait semblant de pas me croire. Oh. C'est pas vrai. Je sais pas. Bon, alors chef. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Même pas bannir la nuit. Alors. Non, on n'est pas comme ça ici. Hein. Ça fait plaisir. J'ai pris une claque. C'était pas une claque, c'est vrai, mec. C'est que toi, toujours, tu aimes bien être dans la contradiction. Pire que moi, quoi. Ça va s'ouvrir avec du ciseau, ça, plutôt. Alors. Alors. Voilà, donc là dans la recette j'ai mis 250 grammes, c'est pour 4 personnes de 150 grammes. Ouais. Là on va être un peu plus, donc du coup je mets... Vous mettez la totale ? 375 grammes. Ouais. Voilà, alors j'ouvre ça et on va se lancer là-dedans. Donc, on verse ça, est-ce qu'il faut remuer en même temps ou pas ? Alors là justement, alors le secret c'est qu'en fait, ouais. Donc une fois que l'eau est arrivée à ébullition, ouais. Comme là, présentement, est-ce que vous pouvez me passer sur la caméra d'ailleurs ? C'est fait, chef. C'est bon, merci. Oui, bien. Oui. Effectivement, là, non seulement elle frétille, mais elle boue. Elle boue, il faut de l'eau bouillante. Voilà. Donc ensuite, je vais jeter les nouilles dedans et retirer la casserole du feu. D'accord. Donc, vous voyez un peu le principe ? Je vois le principe. Et donc, on fait ça cuit tout seul à la chaleur suffisante à 100 degrés. Quoi. C'est ça, en fait, il faut les ramollir, en fait, surtout plus que d'accord. Les. D'accord. Alors, attendez, hop. Voilà, donc voilà. Et on retire du feu. Encore une fois, voilà, dextérité, la maîtrise, mais il faut. Et ça fonce toute seule les pâtes, là. C'est marrant. Oui, elles vont tomber. Ouais, et elles rentrent dans l'eau toute seule. Ouais. Aïe. Ah, c'est fou ça. C'est vrai que c'est bouillant en fait. Ouais. Voilà, donc on va laisser pendant 3-4 minutes. Est-ce que je prends une fourchette si vous... Une fourchette, oui, bien sûr, chef. C'est pas trop demandé, je veux dire. Non, mais c'est le minimum que vous pouvez demander, quoi. Merci bien. Ouais, avec plaisir. Voilà, donc le chef est en train de touiller, bon, on le voit pas trop parce qu'il a déplacé la casserole. Ouais, c'est vrai que... Attendez, je vais mettre voilà, la caméra. Donc, non plus, voilà. Non, mais là, ouais. C'est fait exprès, nickel, chef. Ouais, c'est fait exprès. Alors, mec. On a des messages peut-être, des trucs ici. Ouais, il y a un gros message de The Raptor. Encore ? Ouais. Ah, il est sûrement très intéressant, j'imagine. Ouais, il dit, mec, si toi t'aimes faire ça, c'est ton problème. En vrai, c'est le même aussi. Ouais, le point, c'est qu'il y a des abréviations, chef, qui sont très de la génération. Ouais, oublie pas qu'il n'est pas français, en même temps. Ah, oui, d'accord. Non, toi, je veux dire. Ah, oui, moi, non seulement je ne suis pas français, mais en plus, je ne suis pas jeune.
Ça, donc il y a des abréviations qui... Alors je ramène. Hein? Si toi t'aimes faire ça, c'est ton problème. En vrai c'est le mien aussi parce que c'est un... Oui, ouais. Mais toi aussi. Mais vraiment il faut que tu arrêtes de croire que c'est l'exploit de quoi que ce soit. Certes c'est un rêve de faire déconner mais 14 ans je dérange juste pas vraiment. Ah oui. Ouais et oui. Vas-y. Hein. Alors attendez, du coup, ça boue, hein, enfin ça cuit tranquillement, donc ça ouais. Enfin de ramollir surtout encore une fois. Ouais. Donc en fait c'est assez c'est particulier comme mode de cuisson, effectivement. Donc en fait c'est l'eau bouillante à 100 degrés, on introduit simplement les pâtes et on laisse que ça. C'est ça, prenne. On les laisse bouillir, on revient là, un peu avec une fourchette pour les décoller. Ça, comment? Il y a un temps pour ça. 3-4 minutes. Ah oui. Ouais ouais. Bon, ben voilà, c'est franchement, et la prochaine fois, quand on aura envie de manger des pâtes plus vite que ça, on après, c'est, des, là, c'est pas du blé, c'est du riz. Ouais, là, c'est, hein. Ouais, c'est des nouilles. Hein. C'est pas les mêmes. Quoi. Oui, mais bon, ça peut être aussi bon. Hein, donc, on mélange voilà, la fourchette pour les décoller, pour, ouais. Bien qu'elle, bon, voilà, pour pas qu'elle reste collée tout simplement. Ouais. Bon, je pense que ce sont des nouilles qui ont été déjà, comment on va dire, désamidonnées, je pense. Donc, Oh, je sais pas. Oui, ça colle moins que si ça avait été du riz, par exemple, qu'on n'a pas rincé au préalable. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, chef. Ben ensuite, ben là, j'attends que ce soit bon et après, là, je... Il reste combien? Une minute, deux minutes? Là, il reste peut-être deux minutes. Deux minutes. Ben voilà, c'est super ça. Ouais, c'est pas mal, hein, ça présente bien. Oui, après, c'est assez fin, donc ça va assez vite quand même. Ouais. Alors, désolé, je suis pas vraiment le chat là tout de suite parce que je suis concentré sur le temps. Ouais, ouais. Vous pouvez remettre la caméra là-bas, de toute façon, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Ok, chef. Sur vous, pas de soucis. N'hésitez donc. Pas à poser des questions au pâtissier, il a la caméra devant, enfin la tablette devant lui, il voit les messages. Yes, voilà. Je commence à prendre l'habitude maintenant de la technique. Hein, de, voilà. Il donc, était temps quand même, au bout de deux ans. Oui, 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 parce que bon, il n'y a pas deux ans que j'ai la plaquette, comment on appelle ça, la tablette, chef, hein, vous me l'avez donné il y a... Ah année. Oui, pour la tablette, je pensais, non, oui, je pensais pour changer tablette, les caméras, je pensais vous parliez. D'accord. D'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de commentaires, donc tout va bien. Ouais, rien de neuf. Non, les gens sont dans l'attente de voir ce que ça va donner ces nouilles de riz. Je le suis aussi. Donc, rice, comment vous avez appelé ça en anglais? The rice stick. Voilà, the rice stick. Rice stick. Exactement. Voilà, des sticks de riz, quoi. C'est bon. Il dit, j'avoue, l'eau est claire, dit Raptor, là. On profite de la musique d'ambiance. Ouais, c'est fou, d'ailleurs, c'est la même playlist que d'habitude, mais on dirait que c'est d'autres musiques. J'ai l'impression que je les ai jamais entendues, c'est bizarre. Ouais, moi, je les entends jamais, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Dire que bah, ici, c'est fou, on n'entend pas bon, la musique. On regarde toujours les rediffs. Oui, alors, oui, je suis obligé de regarder les rediffs pour voir quel type de musique le chef a programmé. Parce que ici, tant qu'on est en live, on ne les entend pas. Allez. On n'entend pas la musique. Moi, j'entends. Et en même temps, c'est normal, ça vous déconcentrerait. Non, 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 pas forcément. Au contraire, je pense que ça mettrait un peu de piment à la. À l'émission, non, si on avait. Non, mais les gens l'entendent, la musique. Eux, ils l'entendent, mais nous, non. Moi, si. Ah, vous l'entendez. Ah, ben voilà. Et encore une fois, il y a un certain nombre de privilèges dans une république, je crois, démocratique, qui a fait la révolution, quand même. Attendez. Il y en a qui sont privilégiés. Vous êtes déjà à moitié sourd. Si je vous mets des oreillettes en plus, vous n'allez rien entendre. Ben oui, mais vous pouvez mettre un petit haut-parleur. Bah non, parce que non. Non, bon, voilà. Parce que mélanger vos sons de notre voix sur les micros, ça va être dégueulasse. Après, moi, okay. Ça me fait plaisir de revoir la. Donc là, du coup, je vais aller égoutter. Je vais aller égoutter les pâtes, du coup. Voilà. Le chef donc part de ce pain, égoutter ses pâtes. Enfin, ses nouilles plutôt, hein. Pardon? Plutôt des nouilles que des pâtes, hein. C'est des nouilles, mais les pâtes, voilà. C'est des nouilles. Voilà. Et les nouilles, c'est des pâtes, hein, en soi. Voilà. Donc, une fois ça égoutté. Ah, ok. Alors, attendez. Donc du coup, donc je les ai mises dans une passoire, quoi, passoire, hein, tout oui, simplement. Chef. Oui. Et puis je vais goûter et rincer à l'eau froide. Ah, très bien. Voilà. Oui, vous le passez sous le robinet directement, quoi, en fait. Oui, oui. Voilà, très bien. Ah, il y a l'eau froide pour certainement pour les refroidir, c'est pour stopper la cuisson, je pense, chef. Possible. Oui, parce que c'est vrai que peut-être que les nouilles de riz. Elles sont beaucoup plus bon, vous le faciles à cuire. Que on ne vous montre pas la caméra, blé, mais ouais. C'est plutôt clair. Quoi. Juste, c'est vous vrai, les égouttez, ensuite vous les rincez à l'eau froide. Parce que des nouilles de blé, généralement, c'est 12 minutes ou 13 minutes, ça dépend ce qu'on veut. Voilà. Alors que là, effectivement, en 4 minutes, elles sont cuites. Et en plus, en les retirant du feu. Hein. C'est pas... Donc effectivement, je pense que l'eau froide doit arrêter, stopper la cuisson. Voilà. Moi, je parle, voilà. Je parle, mais je ne regarde pas la tablette. Je vais faire un gueuler. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà. Pour le coup, Souris Verte, elle dit qu'elle n'entend pas la musique, chef. Ah bon? Elle a dit pour le coup, moi je n'entends pas la musique.
Mais c'est parce que vous mettez le son trop bas, peut-être. Hein, certains, si vous n'entendez pas, je pense que le son est peut-être trop bas. Vous mettez le son trop bas, c'est possible. Alors, on se croirait au salon de thé. Bah, c'est pas mal ça. Un sub pour une deuxième oreillette pour le chef pâtissier. Ouais. Bah, en fait, j'ai déjà pensé. J'avais, en fait, j'ai des écouteurs. Excusez-moi. Oui, pardon, chef. Et j'ai des écouteurs. Vous savez, juste les oreillettes sans fil. Sans fil du tout, parce que là, ce que j'ai, il y a un fil quand même. Mais j'en ai des sans fil. J'avais essayé une fois de leur mettre une pour moi, une pour lui, mais ça le dérangeait, ça le gênait. Et en plus, ça coupait parfois parce que. Il y a des systèmes bizarres sur ce genre d'écouteurs. Genre Bluetooth, c'est genre si vous penchez la tête et qu'ils sont pas les deux liés sur une ligne droite, ça bloque en fait. S'ils sont pas horizontales. Parce que les écouteurs sans fil, maintenant en fait quand on enlève un, ouais. Ça coupe le son. Ah. Enfin ça met en pause. Mais du coup, c'est-à-dire que si vous penchez un peu la tête comme ça, ouais. Et qu'ils sont pas les deux à l'horizontale, bah, ça coupe le son aussi. Donc, j'avais essayé une fois, je l'ai fait une fois avec. Ouais, des buds, c'est ça, ouais. Et je l'ai fait une fois avec. Bon, c'est pas des, c'était ceux de JBL que j'avais. Enfin, que j'ai. Et mais du coup, quand. Ouais. Bref, j'ai essayé une fois avec pour justement me dire comme ça, j'en aurais une moi et une pour le pâtissier. Pourquoi ce système-là ? Ça marchait pas. Bah, je sais pas, écoutez. Ouais, ouais. Non, c'est, bah, je sais pas, mec, écoute. Bon. Après, il fonctionne très bien, le son est très bien. Hein. Rien à voir avec l'horizontale, ça marche. Très étonnant quand on connaît les goûts musicaux du chef d'ailleurs. Comme on dit. Mais écoute, type, en fait, le problème, c'est que les autres sons seraient bannissables en fait sur Twitch. Donc, je suis obligé de mettre de la libre de droit, hein, logique. Oui. Malheureusement, j'aimerais bien mettre autre chose, des sons que j'adore, hein, mais. Mais. Et en attendant, on a pas trop peut-être comme on dit, gorge et haut. Ah, c'est bon pour vous là-bas. Hein. Ouais, j'y vais. J'aurais bien voulu une petite gorge. Hein. Ouais, juste le. C'est bon, ça fait 35 minutes. J'ai entendu, chef. Ouais, j'y vais. Oui. Et ils vous donneront la gorge en revenant. Une seconde de plus, c'est pas. Ouais, enfin, c'est pour vous. Parce que moi, vous m'avez dit 35 minutes. Je me suis dit 35 minutes. Il y a aussi de RD chez JBL. Écoute, je sais pas. Mais. Non, parce que le système de quand on enlève un, ça met en pause, c'est à peu près pareil sur tous les écouteurs comme ça, quoi. Mais. Merci. Attends. Voilà, chef. Hein. Vous avez deux gorges qui vous attendent en revenant. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça ne détecte pas l'horizontale. Donc, chef, vous pouvez peut-être basculer mec. Pour vous montrer juste le résultat. Il faut qu'il soit face à face sur un horizon pour que ça fonctionne. Je sais pas chez les autres, j'ai pas testé, mais écoute, peut-être. Comment, vous voulez ? Vous pouvez basculer pour voir le résultat de la... Ouais, je peux. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, donc là, ici, voici donc, le flan à la noix de coco, taille. Alors, regardez, quand même, je touche la texture. Ça reste assez liquide, hein. Alors, c'est pas parce qu'il n'est pas cuit. C'est que c'est comme ça et il va durcir. Ah. Donc, parce qu'il demande généralement un minimum, une fois qu'il aura refroidi à température ambiante, on le met au frigo pendant un minimum de 2 heures avant de pouvoir le consommer. Donc là, je vais le retirer, je vais le mettre à l'extérieur parce qu'il fait assez froid pour pouvoir garder le flan à l'extérieur et on vous montrera tout à l'heure donc le résultat. Yes, et après il va falloir se lancer dans le reste parce qu'on a du travail. Voilà, joli ce flan. Je l'enlève du bain-marie. Propre. Hop. Le flan, joli ce flan. Bon, voilà, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas cuit. Non, c'est rien. Hein, regardez, il tremble. Bon. Ouais. Ah, hier, c'est. Hier, c'était un peu ouais, pareil. Ouais, mais hier, c'est des petits pots. Ouais, voilà. C'est pas pareil. Bon, voilà. Donc, nous, on a respecté le timing. Tout le monde dit que le flan est très beau. Hein, ouais, merci. Ça, c'est gentil, ça. Vous avez plein de compliments. Donc ouais, c'est cool. Merci. Donc, je vais voir mes deux gorges. Ouais, allez-y. Ensuite, on se lance vite parce qu'il faut y aller vite. Parce qu'il faut y aller là. Est-ce qu'on est bon au niveau du timing, chef ? Si vous pouvez amener. Là, on a une heure, mais bon, il va falloir le faire quand même. La petite planche, vous pouvez la prendre, s'il vous plaît. La petite planche. On aura besoin des deux, là. Les deux planches, ça marche. Est-ce que vous avez besoin des couteaux aussi, chef ? Des couteaux, ouais, ça peut être bien aussi. Ok, ça marche. J'avoue. Et j'ai eu l'acquisition d'un super aiguise taille couteau, aiguise couteau. Alors les têtes en l'air, on vous voit, ne mettez pas le flan tout de suite au frigo, attendez que le plat soit froid. Évidemment, et ça marche pour la plupart des plats et des recettes globalement d'ailleurs. Vous les mettez jamais après le feu dans le frigo. Jamais quand c'est chaud dans le frigo parce que vous abîmez le frigo, ça c'est évident. Ouais. Donc sauf si vous avez une cellule de refroidissement, là vous pouvez y aller. Parce que là, c'est fait pour refroidir, chef. On n'est pas en restaurant pro. On n'est pas au restaurant pro. De toute façon, je pense que personne n'a de cellule de refroidissement chez lui. Hein. Et non. Dans les restaurants, oui. Restaurants et dans les restaurants des collectivités aussi. Parce qu'en fait, voilà, on fait travailler à 2 jours. Hein, ça dépend de 2 ou 3 jours. Oui. Je passe un coup de dos sur le poivron, chef. J'avoue que j'ai pas la ref. Le chef de l'expérience en plus, ça se voit. Oui, bah, c'est vrai que dans les endroits où tu travailles dans les restaurants et tout, bah des fois il faut mettre les trucs directement. Ah oui, ça va faire oui, bien sûr, mais faut pas que ça soit une habitude. Exactement. Je vois mes gorges, chef. Ouais, allez-y.
Merci beaucoup. Merci, merci. Du coup, il va falloir couper le poivron en lamelles, si vous pouvez. Oui. Il peut. Ça c'est déjà c'est fabuleux. Je m'en occupe, chef, immédiatement. Très bien. Et il faudra aussi hacher de l'ail. Ouais. Hacher finement, très finement l'ail. Très finement l'ail. Hacher de l'ail très finement. Voilà, 3 gousses d'ail, je vous en prie, comme vous voulez. D'accord. Ils sont en fait dans le temps voulu. Et il y a un autre côté pour moi, c'est parfait. Et moi, pendant ça, je vais émincer le poulet. Alors, si on peut montrer peut-être juste une technique pour nous. Ouais. Regardez, voilà. Souvent dans le poivron, souvent dans le poivron, il y a des pépins. Alors, on s'embête à lever, à couper ici, sortir là. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est simplement ça. Voilà, il le voit là. C'est je coupe en fait comme ça les parois. Vous voyez ? C'est une petite astuce. Hein. Bon, après, chacun fait comme il veut. Parce qu'en même temps, je profite pour enlever le côté blanc là. Vous voyez ça là ? Voilà. Hop, c'est terminé. Une petite secousse là. Et voilà, plus de pépins. Donc voilà, c'est propre. Et maintenant, on peut couper à lamelle, chef. C'est à lamelle que vous voulez. En lamelle, hein. Ouais. À lanière. En lamelle. Voilà. Je coupe à lamelle comme le chef l'a dit. Hein. Alors, hein, j'avoue, j'ai pas la ref. Hein. Le chef, hein. Il y a de l'expérience. Ah oui. Alors. À lamelle. À la lamelle, chef. Voilà. Ok. Ça, à virer. Hop. Hop. Et voilà, chef. C'est bon? C'est bon pour moi. Hein. Le poivron est lamelé? Hein? Le poivron est lamelé? Il est lamelé. Très bien. Et du coup, vous pouvez maintenant... Vous en voulez combien d'ail? 3 gousses d'ail. 3. Hachées finement. Hachées finement. S'il vous plaît. Oui, chef. Voilà. Il est beau ce... L'ail. Magnifique. Ah ouais, oh ouais. Donc, ah ouais, choisi en plus. Ça, ah ouais. Je ne comprends pas comment ça peut être si beau. Ben oui, parce que vous commencez à aimer secrètement le l'ail. C'est ça le truc. Toujours pas. Vous ne voulez pas vous l'avouer, mais oui, je pense, chef. Ça n'arrivera jamais, mais on peut espérer. Je pense. Souvent, on a fini par aimer son pire ennemi. Ça, c'est connu. Hein. Le chef veut refaire le cuir de ses chaussures en lamelles de poivron. Alors. Ouais. Est-ce que c'est Raptor quand... C'est toujours le même. D'accord. Tu peux nous l'expliquer, ça aussi. Alors, Raptor, vas-y. J'avoue que, encore une fois. Alors là. D'habitude, je comprends hein, tes blagues en plus, hein, et là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai du mal. Alors, on y va. C'est parce que t'as marqué ? C'est beau, le chef veut refaire le cuir de ses chaussures en lamelles de poivron. Ouais. C'est comme ça, parce que t'as marqué, non ? C'est pas une contre-pétrie, hein ? Hein ? Peut-être ? Je sais pas. Alors, allez savoir, chef. Il va nous le dire, je pense. Il va nous le dire, ouais. Allez. Il est sûrement déjà en train d'écrire le message. Ouais, là, il a lancé, ça y est. Bah ouais, le chef pâtissier, parlé. Ah, des lamelles de poivron. J'ai eu l'image. Sinon, alors, par contre, aujourd'hui, il fait alors, un temps pas terrible. Hein. Ah ouais, là, c'est... Ça m'a pensé aux chaussures en cuir. Ok, d'accord. Et oui. Ah, lamelle semelle peut-être, non ? Il y a non. Je sais pas. Peut-être. Si, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, ça lui a fait penser lui, quoi. Donc, oui. C'est quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Oui, en termes de pensée, d'imagination, on n'y peut rien, non ? Alors. Il nous dépasse largement sur ça. Voilà, regardez. Moi, il dit 3, 1, 2, et je fais un tout petit. Voilà. Comme ça ? Il faut de quoi comment ça ? 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail, ouais. Voilà. Hachées finement. Oui, voilà, oui. Oui, chef. C'est pas moi qui le dis, c'est la recette. Oui, chef. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est un assemblage. Bon, bref, mon cerveau est malade, laisse-moi tranquille. T'inquiète, mec, on a tous des moments de faiblesse. Oui. Mais let's go. Hein. Non, mais une chaussure en cuir, c'est pas juste une lamelle de cuir. Let's go en tout cas. Oui, tout à fait. Hein. On continue là. Donc, ouais, voilà, j'émince le poulet, ça fait plaisir. On poursuit notre bonhomme de chemin. Alors, du coup, le poulet, normalement, c'est 250 grammes. Bon, nous là, on a. Non, c'est 500 grammes, pardon. Et là, moi, j'ai 600 grammes à peu près. On va faire les 600 parce que c'est bon le poulet quand même.
Vous pouvez, c'est très, très, tant très faire, bon. Quoi, on va pas ouais. le perdre. Hein. Donc, tant qu'à détruire la planète, autant le faire bien. Tant qu'à faire. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais... Ah, j'espère que les gens m'ont compris en tout cas. Haché finement, vous m'avez dit là, yé chef. Haché très finement. Allez, ça marche. Extrêmement finement, ils disent même. Extrêmement finement même. Quitte à ne plus sentir, c'est ça. Quitte à ne plus sentir des voilà. morceaux de d'ail. D'accord, chef. Je vais vous faire une sorte de crème d'ail alors. Non, non, je vais hacher vraiment juste. Haché ouais, fin, juste fin, haché fin, 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 fin. Voilà. D'accord. Pas une crème, hein. Il faut vraiment qu'il soit en morceaux. D'accord, je suis. Je suis quasi sûr qu'on vous l'a jamais dit, mais en tout cas personnellement, je vous jure que ça fait un bien fou, un réel plaisir de voir un père et son fils s'activer dans un but commun et dans la joie et la bonne humeur. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite de ne jamais perdre ça. Ben, merci mec, ça fait très merci plaisir. Merci ça et ça nous fait c'est plaisir. C'est très bien dit, c'est très beau. Et écoute, personnellement, ça me touche. Merci. Ouais, j'espère, bah, j'espère aussi. Hein, écoute, hein, oui. Tu auras ça tant qu'on peut. Oui. Et là, je dis que j'allais peut-être faire refaire un jeu d'horreur. Peut-être que ce sera avec avec vous d'ailleurs. C'est moi qui ai fait le monstre. Non, mais si ça vous tente. Ah, ben je sais pas ce que c'est, parce que moi les jeux, c'est pas tellement ça, moi. J'aime bien jouer, mais. Après, vous pouvez être là avec moi à regarder le jeu. Pas forcément ah oui, participer. Ah oui, d'accord. Enfin, oui, oui. pas jouer, je veux dire, mais vous pouvez être là à regarder le. Ah oui, ah oui, oui. Bon, oui. Parce que vous avez peur, vous, facilement. Oui, oui, ça, oui. Ça, je pense que les gens, ils veulent le voir parce que les gens sont sadiques. Mais oui. Ah ouais, ça peut être sympa, ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors. Parce que j'avais prévenu les gens que vous, au jeu vidéo, c'était pas ça du tout. Je dis, bon. Bien dit ça. Voilà, chef. Yes. Écoutez, moi j'ai haché, hein. Je sais pas si plus finement que ça, tu meurs. Bah, ça a l'air très bien, ça a l'air ouais. très bien, ça a l'air très bien. Voilà, c'est bon, tu fais, je fais mon maximum, chef. Hein. Voilà, la ça. Clip, mec. Hein, voilà, ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à refaire. Hein. Allez, pff, on continue. Les mains sages. Voilà. Vous voulez que je vous aide pour le poulet? Bah écoutez, ouais, la limite, allez. C'est bien. Tiens, là c'est fini l'ail. Ouais, parfait. Je le réserve. Très bien, merci bien. Continue le poulet. Ouais, tenez. Allez, ah, sur la... Okay. Ah oui, oui. Vous voulez le souhait, oui. Ça marche. Et couper et mincer, je... Ouais, bon. Mincer, ouais, ouais, comme j'ai fait un peu des morceaux. Je nettoie quand même, parce que... Attends, je vais me laver les mains, moi. Voilà. Donc, on part la viande, hein. Taré, c'est enlever, dégraisser, nettoyer quoi, bien simplement. Dit. Voilà, on enlève un peu la membrane, c'est comme du foie gras. Hein. Voilà, pour que la viande soit délicieuse, hein, pour pas les. Exactement. Qu'il n'y ait pas les fibres, qu'il n'y ait pas les, voilà, les choses qui peuvent choquer quand même. Parce que le palais, comme tout palais qui se respecte, il est quand même fin quoi. Hein. Donc, faut pas non plus. Hein, chef. Ouais. On peut le dire, je pense qu'on peut le dire. On peut essayer de le dire en tout cas. On va le dire. Voilà. C'est bon ça. Voilà chef, donc le poulet est coupé en morceaux grossièrement coupés, on va dire. Voilà. Les morceaux, on enlève aussi là, la graisse. Et voilà, chef. Donc, est-ce que les pâtes sont prêtes hein? Pardon? Les pâtes. Ah oui, c'est bon. Ouais, voilà, le poulet aussi, chef. Ouais, bien amassé, vous avez envie voilà. de les... Oui, oui, j'ai levé des petites omères. Bon, il reste 2-3 ouais, picots, là. Ça, mais... par contre. Ouais, mais bon, mais... C'est... Ah, ah, laissez-moi faire. Voilà. C'est possible, ça. Non, parce que ça pègle, là, ça colle à la main. Bon, regardez. Ça va? Là, peut-être, un peu, là. Ah, vous voyez, c'est pour ça que moi je prenais du temps, c'est parce que je le faisais. Parce que le chef, il chipote quand même pour le. On peut les couper comme on veut, les filets de poulet. Bah écoute, oui, en vrai. Grossièrement, on a vu. En vrai, enfin, oui, faut, en fait, faut les mincer. Donc après, tu peux. Enfin, grossièrement, pas forcément, non, on peut faire des morceaux plus petits. Hein. Et mincer, c'est plus. C'est lamelle, hein. Alors que couper comme ça, c'est. Émincer, c'est la ouais, moitié mincer, de ça. Pour moi, c'est couper, quoi. C'est pas le laisser en morceaux, quoi. Enfin, en entier, quoi. Ah oui, ah ouais, pour moi c'est émincé, c'est vraiment des lamelles quand les viandes fines. Ah ouais? Ah oui, c'est ça l'émincé. Écoutez, si vous voulez faire en faisant plus fine, du coup. Non, mais c'est vous qui voyez. Non, hein. Bah allez-y, allez-y, ça vous fait plaisir, je vois. Du coup, moi je vais. Alors attends, je suis sûrement passé à côté de l'info, mais on est sur une recette pour combien? 4 personnes, 4 personnes, exactement. 4 ouais. personnes, c'est ça. Exactement, mec. Exactement, chef. Alors, du coup, on va passer là-bas maintenant. Ouais, allez-y. Donc, alors. Moi j'ai demandé
au pâtissier si on avait un wok. Il m'a dit oui, oui, alors qu'on n'a pas de wok. Mais oui, chef, va... là, en bas. En bas là-bas. Oui, chef. Ah, oui, je vous l'avais dit. Oui, oui, mais je savais pas que c'était... pourquoi c'est là-bas. Normalement, c'est là-bas. Non, parce que le wok, comme il est tout beau, tout neuf, on le réserve en bas, là, au fond, là-bas. Vous l'avez là-bas. Ah, là, voilà. Le chef, il a été de très, très mauvaise foi. Je suis désolé. Je tiens à le dire devant tout le monde. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Il m'avait demandé, je lui ai dit oui, chef, nous avons un wok. Ouais, mais des fois, vous vous dites des trucs oui pour des trucs qui ressemblent, quoi. Non, mais là, c'était pas pour faire plaisir, c'était oui, vraiment. Alors, je veux que vous sortiez le... Non, mais les gens vont le voir là. Et qu'ils vous le montrent, le wok. Parce que là, c'est vexant quand même. Hein. Mais non, voilà. Les choses toujours mal comme ça. Ouais. Voilà, donc le chef, il a trouvé un wok. Hein? Raptor est à l'affût. Je vais me moucher un coup quand même. Parce que j'ai le nez qui coule. Voilà. C'est un peu insupportable. Vous avez vu, comment? Bah, désolé pour le son d'ailleurs, je suis en train de... Vous pouvez couper le micro s'il vous plaît une seconde? Et je ne sais pas le faire, chef. Tout en bas à droite. Une fois vous appuyez. Et voilà, donc le chef, hein, alors vous voyez, vous avez un magnifique wok tout neuf, tout propre. Exactement. Voilà, chef. Donc, désolé encore une fois. Non, il n'y a pas de souci, chef. Non, mais désolé, j'ai fait une erreur. Voilà. J'ai fait une erreur. Non, vraiment, j'en excuse. On va dire que c'est. Un petit coucou au cuistot de Pascal. Salut Pascal. Ah, salut Pascal. J'espère que tout va bien. Bisous. Coucou, merci d'être là. Alors, dans un wok, donc. On va chauffer une cuillère à soupe d'huile. Oui, chef. D'huile d'arachide, du oui, coup. Hein. Oui, chef. J'ai mis. L'huile d'arachide, c'est particulier l'huile d'arachide, hein, chef. Hein. Je pense que c'est aussi une odeur que le. Est insipide que le, l'huile de tournesol. Hein. Je peux vous demander une cuillère à soupe, s'il vous plaît? Bien sûr, chef. Vous l'avez immédiatement ici, tout de suite. Voilà. Tenez. Merci. Voilà. Donc, moi, je continue d'émincer le poulet, chef. Oui. Voilà. Et en attendant, je vais vous demander l'ail et le poivron, s'il vous plaît, l'un après l'autre, parce que je ne pourrais pas prendre les deux. Merci. Voilà. Et le poivron. Ouais. Et voilà, chef. Merci. Avec plaisir. Ah. Alors. On a eu des messages sur le chat un petit peu ou... Alors, des messages, oui, chef. Alors, on en est où, là? On est resté à... Je clip, hein, souris verte, le poivron second, voilà, merci. Persécuté par le grand chef. Vous avez entendu? J'ai quand même... Il y a une vague de solidarité qui se manifeste, hein, actuellement. Ouais, ouais, non, mais bien. Hein, voilà. Alors, par contre, sympa le screamer, finalement. Là, on dirait que tous notre live... Il y a eu un screamer de quoi? Pardon, parce que j'ai viens de voir les messages. T'as pas honte, James? Non, écoute, franchement, j'ai pas honte parce que... Parce que ça arrive, les erreurs, d'accord? Et on a pris toutes les gorges, Raptor, merci. Ah, merci. Donc, vous voyez, chef, hein, j'ai quand même une vague de solidarité. Heureusement que les gens se manifestent. Parce que, voilà, ce sont des gens bien qui sont révoltés face à l'injustice. On a des gorges, chef? Non. Non? Non. Bon. Les canadiens par là, parce que j'ai particulièrement... Je ne sais pas ce que j'ai mangé hier. Ah oui, j'ai mangé un dalle. Voilà, c'est ça. Nous sommes des jambons. Oui. Ouais. Donc du coup maintenant, je vais faire chauffer donc à feu vif une cuillère à soupe d'huile d'arachide. Ouais. Et vous plongez quoi, les légumes en premier ou la viande? En premier, ça va être l'ail et les poivrons. D'accord, c'est ça. D'accord, chef. Donc moi je vous fais, j'essaie de les émincer un peu. Hein. Passez-moi un couteau, s'il vous plaît. Un couteau. Merci. Donc à feu vif, hein, évidemment. À feu vif, ouais. Alors, souris verte, hein. Mais non. Voilà, donc pendant à peu près 4 minutes. Ouais. Oh là là, Raptor, nous sommes des jambons, tu vois. Souris verte, il a encore osé la blague. Ah. Ça ne s'arrêtera, donc, ça ne s'arrêtera donc jamais. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas basque parce que sinon on aurait été les jambons hein, des Bayonnes. Ah. Ah, c'est ça vos problèmes à tous là. Ah ouais.
Après, moi, je trouve quand même qu'il a de l'esprit, Raptor, parce que... Ouais, ouais. Non, après, il est pas méchant. Hein, alors qu'on fait la cuisine, je trouve ça génial. Ça fait rire quand même, comme dit Souris Verte, donc c'est bien ça. Alors, attendez. Attendez. Ah, j'ai une gorge, pardon. Est-ce que je peux avoir la bouteille, s'il vous plaît? Oui, chef, tout de suite, immédiatement. Voilà, chef. Oh, c'est magnifique, là, ce que vous faites, là. Chef, est-ce que vous êtes content du wok? Écoutez, il fonctionne plutôt bien, j'ai l'impression. Il est bien, là, hein? Ah ouais, il est chouette, ouais. Ça fait plaisir, comme on dit. Ah, ça fait plaisir, comme là. Chez moi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, chef, j'ai essayé, mais c'est le maximum, le poulet. Hein. Alors... Oh, il y a du plus. Alors, alors, j'ai quand même la mauvaise humeur, mais j'adore la bonne humeur. Mmh. Ouais. Noël prochain, je réclame un wok. Le mauvais. mec, les woks, ça a l'air sympa. Hein. Je crois pas que j'en utilise un, mais ouais. Ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, le poivron rouge devient orange. Ouais. Oui, c'est ça, il est en train de cuire, à mon avis. À feu vif toujours ouais, ou pas? Ouais, feu vif. Est-ce que vous envoyez le poulet maintenant ou pas? Non. Non. Voilà. Vous pouvez voir ma dextérité quand je fais sauter les aliments. Ouais, ouais. C'est magnifique, chef. C'est un truc, ça. Je peux te dire que. C'est magnifique, chef. C'est beaucoup de taf, tout ça. Il y a eu des gorges là, par hasard, chef? Il y a une gorge, ouais, pour vous, pardon. Ah, j'ai oublié de vous la donner. Ouais. Ah non, attendez, attendez. Non, en fait, non. Non? Non, non. S'il vous plaît. Ouais, il veut la boire, s'il vous plaît. Parce qu'elle en a un peu plus, là. J'ai hyper froid, chef, je sais pas ce que j'ai. Dès qu'elle arrive, on me le dit, hein. Ouais. Après, c'est marqué sur la tablette. Hein, je sais pas lire, on voit les gorges. Bah pas, si, c'est marqué. C'est quoi? C'est un dessin ou c'est marqué une gorge? Il y a marqué une gorge pour le second, c'est pour vous, ou donne la gorge pour moi. Ah, d'accord. Donc, je vais attendre là de lire ça. Alors, il y a marqué a obtenu une gorge pour le second. A obtenu une gorge pour le second, ça fait deux fois. C'est ça. Donc, deux fois. Merci beaucoup, Raptor. Merci. Oh, c'est magnifique ce que vous faites là, chef. Hein. On vous voit à la live. Hein. Et ouais, hein? C'est vrai que c'est un peu le but de l'émission, finalement. Non, mais voir les mouvements, tout ça, c'est magnifique, ça. C'est pour rire, c'est. Ah ouais. Non, moi aussi, je fais des petites touches d'humour, quoi. Voilà, ouais. Faut pas que ça crame, quand même, le poulet. C'est quand il crame, il devient amer. Calmez-vous, pas. Faut qu'il reste sucré. Est-ce que vous voulez le poulet? Alors, attendez. Qu'est-ce que dit la recette, chef? D'enlever tout l'ail pour pas que ça se mélange, quand même, parce que c'est pas bon. Et ouais, l'ail aussi cramé, c'est pas bon. Non, c'est pas vraiment ça le problème. Non, c'est quoi, chef? C'est l'ail tout court qui est pas bon. Ah oui, ah non, l'ail c'est bon. Hein. Écoutez, chacun son avis. La survie, à ce qu'il paraît, c'est important, absolument. Tout à fait. Hein. Surtout que nous venons, nos origines sont aquatiques. Donc on a quand même besoin d'eau, quoi. Hein. Après, il faut boire de l'eau, oui. Après, il faut pas abuser. Attendez, donc il faut remettre une cuillère à soupe d'huile d'arachide, ouais. Du coup, maintenant. Oui. Et là, on va envoyer le poulet, s'il vous plaît. Ça marche, chef. Voici le poulet. Attendez que je... Ah, c'est chaud, bien, c'est bien. Voilà. Oui, je sais bien. Hop, et on et voilà, le chef, il va verser ce poulet émincé soigneusement avec amour par le second. C'est magnifique, chef. Vous voulez une cuillère à bois? Non, non. Non. Vous woquez là, c'est bien ça. Voilà, c'est magnifique. On va laver pendant 4-5 minutes. Ouais. C'est magnifique, chef. Ça va, le manche du wok, il ne chauffe pas? C'est ok. Il chauffe okay, un peu, il ouais. Chauffe un peu, mais c'est normal, je pense. Ouais. Parce que souvent, je sais pas si vous avez vu dans les restaurants asiatiques. Ouais. Ouais. Et ils ont un torchon sur le manche. Ouais, ils tiennent un torchon. Parce que les flammes sont encore plus grosses ouais, là-bas. Ouais, non, ouais, non, complètement, non, ouais. Et ils se servent quand même d'une cuillère hein, pour séparer, faire sauter. Ouais, je vais faire ça, ouais. Ah, c'est bien ça. Alors, le wok fume beaucoup trop, non? Et puis, la souris verte, je pense aussi qu'il fume. Non, mais c'est un feu vif. Hein, Ouais, mais quand même. Non, mais c'est un feu vif. Oui. Ouais, donc c'est normal. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là, hein, la sainte odeur qu'il doit y avoir chez... Effectivement, ça sent le poulet cuit, mais ça sent bon, hein, franchement, ouais.
Ça sent quoi? Non, il y a Titif qui dit que la sainte odeur ouais. qu'il doit y avoir chez vous à l'heure qu'il fait, quoi, effectivement. C'est une odeur qui est bonne, hein. Enfin, je veux dire, c'est odeur à cuisine, voilà. Après, alors, Raptor, qu'est-ce que c'est? Eh oui, non. C'est très bien, c'est magnifique, hein. Alors, Raptor qui dit qu'effectivement, il est neuf, hein. C'est pour ça aussi. Raptor, il passe parce que le wok neuf, il fume aussi, quoi. Ah oui, c'est possible aussi, c'est oui. Possible, il faut le temps qu'il se... Ouais, ouais, ouais c'est possible. Sûr. Bon, en tous les cas, là, c'est, ça m'a l'air bien. Hein. Le poulet est déjà saisi. Hein. Il est magnifique. Ouais. Hein. Il est beau. Hein. Voilà. Ensuite, chef. Et ensuite, bah attendez. Hein. Vous voyez, c'est, effectivement, il fallait l'émincer parce que comme ça, au moins, ça cuit plus vite. Hein. Ouais, ouais, ouais. Sur Yverte, qu'est-ce que nous dit? Alors, tu le dis, alors, il ne va pas rester neuf longtemps. Oh. Et sur Yverte s'inquiète pour le wok. Il suffit de ne pas l'abîmer avec. Après, à partir du moment où il a été utilisé, il n'est plus neuf. Hein. Après, c'est forcément une fois utilisé, c'est comme la voiture. Hein. Et le neuf, tant qu'il reste en vitrine, hein, dès qu'on la prend. Tant qu'elle est au garage, elle est neuve. Il y a l'usure, hein, donc forcément. Mais on fera attention quand même, voilà, soigner. Hein. Alors, le confit d'oignon du fou furieux que je me ferai avec ce poulet-là. Il a bien raison, c'est vrai qu'un petit confit d'oignon avec ce poulet-là, légèrement relevé, quoi, un peu de d'épices, style un peu de cumin, un peu de curry, un peu de paprika, c'est le top, effectivement, ouais. Bonne idée, ça. Et c'est vrai que le confit d'oignon, légèrement sucré, ça va le faire. Ouais, bonne idée. Avec un peu de riz à côté, qu'est-ce que ça pense, Raptor? Ah, ouais. Ah, écoutez, ouais. Bon, c'est joli, hein? Oui, ouais, tout à fait, oui. Ah, ouais, un riz pilaf, c'est très bon. Ça. Pareil, quand les oignons confits comme ça, c'est excellent, oui. Effectivement, oui. Ça, c'est bon. Clairement, c'est bon, oui. Mmh. Et voilà, je sens qu'on va se régaler avec le plat. Et... J'espère. Ah, ouais. C'est super, chef. Et voilà. Chef, ouais. On est plutôt pas mal parce qu'il est 11h27. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, hein, finalement. Je pense hein. Qu'on va être plutôt sympa, là. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ajouter à ce plat-là? Là, pour l'instant, rien. Là, vous finissez la cuisson du poulet. Voilà. C'est bien. Mais ça m'a l'air bon, ça. Et après, on verra. Mmh. Bon, ça, c'est très bien. Pendant que les gens regardent ce que vous faites, chef, je vais commencer à nettoyer un peu le plan de travail. Ouais, bah, n'hésitez pas, ouais. Oui. Hein, je lis en même temps les messages, hein. Pour l'instant il n'y en a pas d'autres, donc ça va. Et putain, le chef. Ah oui, si, il y en a d'autres. Alors. Le second est au chômage technique, dit Souris Verte. Est-ce qu'on a, je peux vous pouvez me passer le bol, s'il vous plaît? Le bol, oui, tout de suite, chef. Voilà. Merci. Oui et non, je suis au chômage technique, mais en même temps, je suis attentif à la cuisson du poulet. N'hésitez pas à offrir. Assister notre chef dès qu'il me le demande. N'hésitez pas à offrir des abonnements Prime pour que je puisse payer le pâtissier aussi. S'il vous plaît, attendez voilà. Ce qu'il dit le chef, c'est un appel du cœur. Hein, donc allez-y, n'hésitez surtout pas. Un chef, c'est ça? À offrir des subs? Ouais. Ouais, bien sûr, il y a vos Prime et à tout. À donner tous les abonnements possibles et imaginables. Ah, il y a le son de Raptor qui a bugué là, il n'entend plus rien. Il a quoi? Le son. Ah ouais? Il a bugué là, il n'entend plus rien. Ah, voilà. Mais je pense que ça vient de chez lui. Ah oui, sûrement. Oui. Oh, ça va. Merci Raptor de nous rassurer. Ah ah! C'est bien. Alors, je vais nettoyer bon, voilà, ça. Ça, c'est bon. Alors, chef. Là, vous êtes en train de voir en même temps le résultat là, de la cuisson du chef. Chef qui est en train de remettre le feu un peu plus doucement. Je mets à feu moyen maintenant. À feu moyen. Attention là. Alors, du coup. Là, il fait sa cuisine. Alors, est-ce que je peux avoir, pour me préparer, genre, combien d'œufs il me faut? Je ne sais même plus combien d'œufs. Qu'est-ce qu'il faut? Des œufs. Des œufs. En plus, attendez. Là, depuis. Non, oui, d'accord. Oui, les œufs, il faut combien? Combien des œufs? Combien des œufs, chef? Ah bah, je vais regarder justement parce que je ne sais plus combien il faut d'œufs. Alors. Et il faut deux œufs. Deux, ça marche. Deux œufs. Ouais.
Je vous les prépare dans un bol ou pas? Et du coup, ouais, si vous voulez mélanger, les battre légèrement légèrement dans un bol. Ouais, pas les battre à fond, hein. Juste un peu battu, quoi. Légèrement battu. Diluer les œufs, quoi. Ça marche, donc je m'attelle immédiatement à le faire, hein, pendant que le chef... Non, attendez, non, laissez-moi faire ça et hacher les oignons verts, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Allez, on va passer ici, alors. C'est quoi déjà, plein de main, hein. Voilà. Donc, je vais laisser fouetter les œufs à mon chef bien-aimé, pendant que je vais hacher, moi... La partie verte, hein, il faut. La partie verte seulement. D'accord. Donc, hachez-les-moi finement. Oui. Bien, bien joli, quoi. D'accord. Je vais quand même casser la partie verte, je vais la laver. Il faut les hacher finement. Comment? Ouais, beaucoup ou pas? Non, mais faites-en pas mal, quoi. Tranquille, enfin, ouais. On verra. Si faites toute la partie verte. Oui. Pierre, ce sera là, quoi. Il faudra beaucoup, hein. Ouais. D'accord, chef. Non, bah, faites-en moins si vous préférez en faire moins. Parce... Non, je pense. Je vais faire ça déjà, je vais le laver. Ouais. Si c'est bon, ben, on y va. Sinon, c'est la partie verte, ça. Ouais. Allez, donc c'est bon, là. Du coup, il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, le chef, il va nous faire le. On va changer les rôles. Ah merde! Ah! Donc, je suis pâtissier du coup? Ça fait plaisir. Écoutez. Bah, qui nous demande à changer les rôles? Parce que là, le truc, c'est que. C'est le type qui a payé pour ça. Est-ce qu'on doit inverser pour les gorges aussi du coup? Parce que du coup, c'est vous le chef maintenant, moi je suis le pâtissier. Très bien. Alors écoutez-moi bien. Ça fait plaisir, heureusement mon dessert est déjà fini. Peut-être que si le feu, là, vous pouvez le baisser en attendant, ouais, c'est qu'on se rend à moi. En attendant, qu'on finisse. Il était bien réglé. Voilà. Là, j'ai fini d'émincer donc les petits oignons. Bonjour, salut Madou, ça va ou quoi? Dites-moi si on doit changer pour les gorges ou pas. Parce que passez-moi là ici, même peut-être. Voilà, merci. Voilà, donc comme il a été demandé, finement, hein, on va le faire. Hein. Il faut les hacher finement, ouais. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter, hein, à hacher. Voilà. Plus fin. C'est vrai que c'est une cuisine raffinée quand même, la cuisine thaï. En général, la cuisine asiatique, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail en amont, hein, tout ce qui est légumes, viande, tout ça. L'émincer, souvent c'est l'émincer. Ici en France, par exemple, on fait des sautés des porcs, choses comme ça, mais jamais un émincé. Alors que là-bas, on fait beaucoup d'émincés de poulet, de porc, et on fait une cuisine avec des légumes qui sont souvent hachés très finement. Ça, c'est une particularité de la cuisine asiatique en général. Alors, what the fuck, c'est Mako qui déconne, c'est la chaîne Extend, c'est Twitch. Je sais pas, les autres ont pas l'air d'avoir de soucis, donc c'est peut-être chez toi. Oui. Franchement, c'est 1000 ans se charger, c'est bizarre. Mais hier, j'ai eu le même souci, moi, bizarre, quand je regardais un. Je voulais voir le son de quelqu'un et ça a fait pareil. Voilà. Ok, alors attends, moi ça va, je viens de me lever, je suis deg. J'arrive jamais pour le début de l'émission. Oh, c'est pas très grave, t'inquiète. Si t'es là, c'est plus important. Hein. Ouais, voilà. Bienvenue. Et merci, nous ça va, sinon. Voilà. Chef. Ouais. C'est bon là. C'est haché finement là. Ouais. C'est haché finement. Ouais. Ah oui. On peut faire encore plus fin, mais ça va faire une pâte après. Non, c'est bon, si c'est haché finement, c'est bon. Voilà. Alors, il me le faut, s'il vous plaît. Je vous l'apporte, hein? Ouais. Tenez. Merci. Vous voulez pas... Voilà. Vous permettez, je passe là-bas et je me lave les mains, hein? Ouais. Voilà, vous êtes à Casinière, la chef. Hein? Super. Merci bien. Avec plaisir. Alors, du coup. Alors. On remet donc sur feu moyen cette fois-ci. Oui, chef. Voilà, auquel on va ajouter du coup des œufs un peu battus, deux œufs tout court, hein, d'ailleurs. Deux œufs mélangés, vous les avez battus. Deux œufs légèrement battus, voilà. Ça y est, c'est fait, voilà. Il verse ça là-dedans. Ça évite la cuisson, hein, des œufs. Ouais, c'est une petite minute. Les œufs. Alors, on y va. Ah, c'est le PC qui est fatigué, le PC de Raptor. Ah, peut-être, hein. Bah, il l'utilise tellement. C'est possible aussi, ouais. Oui. Bon, mais là, il va falloir attendre Noël prochain pour un nouveau PC, peut-être. Il peut pas attendre aussi longtemps, il travaille avec. Hein, ah, il bosse avec. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, oui. Tout a une fin. Hein, FIM. Quoi?
Non, j'ai essayé de faire comme Raptor, mais je ne suis pas aussi fin que lui. Ah ouais. Je dis tout a une fin. Ah oui, oui. Faillème. Voilà. Ah, c'est vrai aussi. Ouais. Ah, ah, vous avez fait une sorte de comme d'omelette un peu, non? Un peu, ouais. Ah ouais, comme des œufs brouillés, un truc omelette. On va dire ça comme ça. Ah d'accord, ouais, très bien. Ouais, c'est mort de rire là, c'est Stendhal, ouais. Merci. C'est Thibaut, hein? C'est, ah ouais. Stendhal, ah, Travel. Voilà. Merci Stendhal. Alors, bah, je rappelle comment il est marqué là. Hein. Et est-ce que les gens ont dit, parce que vous ne lisez pas le chat depuis tout à l'heure, moi je ne le vois pas, est-ce qu'ils ont dit pour les gorges s'il fallait échanger ou pas? Et est-ce qu'il y a eu les gorges d'autres? Ah, mais non, est-ce qu'il faut les échanger? Ah oui, est-ce qu'il faut échanger les gorges? Non, je vois rien de tout ça là, chef, mais ça serait bien, non, qu'on les change. Vous n'avez pas regardé les messages au-dessus? Non. Super. Bon, bah, je vais revenir parce que le monde va mal quand je suis pas là, j'ai l'impression. Mais il suffit. Ah d'accord. Alors, j'ai pas suivi, échange des gorges. Ça c'est Raptor qui dit ça. Non, buvez-vous, en avez deux. Ah, vous en avez deux chacun dans tous les cas. De toute façon, on en a deux chacun, chef. Ok. Ouais, mais c'était pour après quoi. Ouais. C'était pour après que je disais ça moi. Alors, on va ajouter du coup maintenant. Et il y a Raptor qui dit reviens, t'as raté un truc de fou, Iki. Ah ouais, bah attends, ouais. Je peux pas trop là, j'avoue. Allez, là, il est concentré, le chef, je sais pas si vous le voyez. Moi, je le regarde. Il est en train de me faire un plat d'enfer, hein, chef. Ouais, c'est un peu l'enfer, effectivement. Ouais, c'est un peu l'enfer. Il est en train de séparer les nouilles, c'est ça, chef? Exact. Ah bon, on peut pas. Voilà, super. On y va. Magnifique. Magnifique, je sais pas, on verra. Hein. C'est, pour l'instant, il faut le faire sauter peut-être. Attendez, ouais. Ah ouais, ils sont collés un peu. Eh ouais, forcément. D'où l'intérêt de peut-être effectivement de les passer à l'eau froide. De l'eau, ouais. Pour les séparer. Ça va aller, hein. Espérons que ça va être bien. Ouais. Alors. Est-ce qu'il y a de la sauce qui va dedans? Comment? La sauce, vous la mettez au-dessus? Ouais, je vais la mettre aussi, ouais. Voilà. Ça va permettre peut-être de les délier ouais, un ouais, peu, je là, pense. Les pâtes, le liquide. Bien, chef. Alors, souris verte, il faut mettre un peu de matière grasse, peut-être. Hein, passez-moi le... Souris verte, on dit ça, mais on va merci. Justement, on va peut-être mettre un peu de sauce. Peut-être ça va le délier les pâtes. Écoutez, peut-être. Et baisser l'intensité du feu, peut-être aussi, pour éviter que le... Ah, il a fait moyen, là. Hein. A fait moyen. Mais il est trop moyen celui-là, il est gros, hein, et ce plateau chef. Hein. Non, il est moyen là. Hein. Pas plus, c'est sûr. Voilà, il y a Madou qui pense qu'effectivement, en rajoutant un peu de matière grasse, ça va bien les délier. C'est parce que normalement, il faut juste cuire un peu. Mais ouais. Après, là, je vais ajouter du coup la sauce maintenant. Alors, on va ajouter le poulet. Ouais. Alors. Ouais, c'est un gros moyen, quoi, dit le Raptor. Ouais, parce que ce feu est fort de base. Hein. Ouais. En même temps, les woks, ça se fait sur des gros feux. Hein. Ouais. Les woks, ça se fait sur des gros feux. Hein. Oui, oui, oui. Après. Non, mais je veux dire, j'invente rien, quoi. Bien sûr. Non, après, ça va, hein, ça m'a l'air de se faire, là, non? Ouais, je pense. Ouais, ça le fait, la chef. Pas de soucis. Ouais, je pense. Hein. Alors, Madou, alors. Non, moi, dans les sautés, je rajoute du soja. Oui. Mais avec les légumes qui ont déjà eu du gras, voilà, ça ira, je pense. Et la raison, c'est vrai que là, c'est ce qu'on avait fait, hein, là, on a ajouté un peu la sauce et tout. Donc, les légumes ont été pris au préalable avec du gras. Donc, et on va et mettre c'est la vrai sauce. Que c'est pas trop gras, n'empêche, hein, parce que vous avez mis qu'une cuillère de. En tout, vous avez mis que deux cuillères de. D'huile, ouais. De matière grasse, ouais, de l'huile d'arachide. Donc, effectivement, c'est un plat qui reste plutôt sain, hein, à ce niveau-là. Hein, chef. Ouais, écoutez, c'est. Ouais, c'est un classique. Ça me va, hein, personnellement. C'est un classique. Ouais. C'est pas mal là, hein. Maintenant qu'on a ajouté la sauce, ça va mieux. Ouais, ça va mieux, ouais, c'est ça, ça les sépare un peu. Bah ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut baisser le feu pour éviter que ça prenne trop vite. Tu sais, je sais pas, moi ils m'ont jamais dit de baisser le feu sur le truc. Mmh. Voilà, mais, écoutez, ça a l'air d'aller là, non? Écoutez, ouais, je pense. Dit souris verte. Madou, voilà. Oui, tu as raison. Oui, moi aussi, je pense qu'on Madou souris verte. Elle a raison. Alors,
C'est très appétissant. Oui, ça a l'air super bon. En tout cas, je le vois ici. J'espère que ça le sera. Ouais, ah ben oui, il n'y a aucune raison. On se rivère ta faim, chef. Qu'est-ce qu'on c'est fait? C'est vrai. Bah, bon courage. On pourra lui faire goûter ça? Non, mais bon courage quand même. Ben oui. Il faut tenir sur les vertes, ça va venir, faut tenir. Hein, faut être, c'est bientôt midi, fort, c'est bientôt midi, tu pourras manger. Même Rapto, il dit, ça donne faim, oui, il a raison. C'est vrai que, en plus, vous avez l'image. Nous, on a l'image et l'odeur, l'arôme. Ouais, c'est vachement bon. Hein, chef. On a tout là. Ça sent bon, oui. Ah ouais, c'est super bon. Mmh. C'est très bien. Bon, chef, juste pour votre gouverne, hein, il est 11h40. On est plutôt bien, non? Ça va, ça va. Ça va. On est chef. OK. Le chef est serein, donc tout va bien. On est content, ben voilà. Nous qu'on pensait qu'on allait être large, chef, comme on dit. Est-ce que vous pouvez me hacher les cacahuètes? Hacher les cacahuètes? Ouais. Oui, tout de suite, chef. C'est des cacahuètes salées, non salées? Non salées. Non salées, très bien, chef. Donc on va hacher un peu de cacahuètes non salées pour le chef. C'est parfait, ça. La paire de ciseaux. Une bonne poignée, chef. Bah disons, attendez, il en fallait combien, je sais même plus. 5 en fait, grammes. Alors attendez, il fallait. C'est fou ça, c'est où ça les cacahuètes? 125 grammes, il fallait. 125, bon on a 160, je fais... Ouais, coupez tout, achetez tout. Je coupe tout. Achetez tout. Je hache tout. Achetez tout. Alors... On va tout hacher. Hein. Remettez la caméra vers vous si vous voulez pour l'instant. Oui, chef. Je vais m'atteler à le faire immédiatement dès que j'aurai lavé mon couteau. Voilà. J'espère que tout ça sera bon. Ah, il n'y a aucune raison, chef. Déjà, ça me miaute. Alors, est-ce que je le hache la cacahuète ou il faut mettre la caméra d'abord. Oui, chef. C'est bon? La large, oui, j'y suis là. Comment? Vous l'avez fait, c'est bon? J'y suis. Mais non, la caméra à main. Oui, chef, j'y suis. Ah ouais, parce que vous avez changé d'abord, non? Oui, chef. Ah ouais. Ça, hein. Je me disais bien que quelque chose n'allait pas. Oui, chef. Attention, hein. Oui, chef. Et les cacahuètes vont aller pour décorer par dessus. Moi, j'ai raté plein de choses, donc c'est super. Du coup, il y avait deux gorges chacun. Vous avez bu vos gorges? Non, pas encore. Je vous attendais, chef, pour le faire avec vous. Let's go, hein. Parce que j'ai raté plein de méchants du coup. Et du coup, qu'est-ce que j'avais raté, pardon, du coup, Raptor? Regarde les récompenses, il y a. Attends, forcément, quand on pense qu'on est là. Je mangerai pas poivrons, mais ça nous fait quand même. Mais t'inquiète, les poivrons, je vais les laisser de côté, moi. Hein. Je les mangerai pas non plus. Je les mets parce qu'ils sont dans la recette, mais j'aime pas ça non plus. Alors. Il y a bien plus que deux gorges. Ah ouais? Regarde les récompenses, putain, mais tu gères à deux, mec. Tu peux me le dire plutôt? Parce que là, j'avoue que. Alors, une fois quand vous avez donné deux chacun. Bah non, mais c'est bon, les autres ont été pris. Ah oui? Tout à l'heure, t'as donné les deux Mais non, mais c'est bon. Ça a été pris, hein. Oui, après l'échange de rôle, il n'y a eu que 4 gorges. Oui, exactement. 1, 2, 3, 4. Il n'y a eu que 4 gorges après l'échange de rôle. Oui, mais l'échange de rôle, on l'a fait déjà. Ben oui. Je pense qu'il a raté, lui, quelque chose. L'échange de rôle, on l'a fait déjà. On l'a dit, mais on l'a dit en même temps, ouais. Ah, c'est peut-être quand t'avais plus de son, je sais pas. Ah, c'est possible quand il était à l'intérieur, hein. Ben oui. J'ai dit, de toute façon, moi, j'avais rien à faire parce que j'avais. Parce que j'avais déjà. Le dessert était déjà fait, donc je n'avais pas. Exactement. Mais ouais. Alors je sais, il y en a peut-être plein qui pensent que je m'embête un peu à le faire au couteau. Je peux continuer un peu si vous voulez. Ça m'embête pas, chef. Non. Non. C'est on déjà la moitié, j'en ai besoin pour la recette. On aurait pu faire à la machine. Hein. Mais moi, ça me va comme ça, chef. Ouais. Ouais. J'aime bien sentir le craquement de la cacahuète sous la lame du couteau. Ça fait plaisir. Moi, je les écrase avec un peu de confiture. Ouais, j'avoue. Voilà, chef. C'est bon, la moitié là. Ok. Alors, je vais vous demander la. De vous le donner.
Comment? Ouais, je vais emprunter. Alors, ouais, attendez. Tout de suite. Parce que j'ai juste ajouté les cacahuètes du coup là, au plat, évidemment. Ouais. Donc les cacahuètes coupées à l'ancienne. Yes. On passe ça sur le... Ah, on va mettre dans un bol. Voilà, je continue le reste, chef. Hein. Yes. Hop, on ajoute. Vous avez mis le plan ici? Non, pas du tout. Ouais. Vous n'avez pas mis le plan ici? Non, vous n'avez pas demandé, désolé. Donc, du coup, j'ai ajouté voilà, donc la moitié des cacahuètes ici. Donc là, parce que les cacahuètes, ça fait beaucoup de choses ici dans la cuisine asiatique. Alors, désolé pour ceux qui ne mangent pas ou qui sont allergiques. Ce plat n'est pas pour vous, ou alors parce qu'il y a l'huile d'arachide plus les cacahuètes. Hein, donc, ouais. Voilà, mais après, je pense qu'on peut le faire à d'autres huiles sans cacahuètes si vous avez des allergies. Vous avez laissé une partie pour l'autre plat, hein, végétarien. Laissez la moitié. Non, mais gardez. Non, ça pour vous et ça pour. Non, mais c'est bon, gardez. Enfin, coupez tout. Hein. Hein et hachez tout, de toute façon, il faut tout hacher. Oui, mais on va pas tout mettre aussi. Bah, si, parce qu'on fait un plat végétarien. Bah, si, il faut pour végétarien, ouais. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que je réserve un peu de cacahuètes pour le plat végétarien tout à l'heure ou pas? Ouais, mais coupez-les toutes quand même. Ah oui, ça oui, ouais. Mais on te dit. Non, mais j'ai recoupé tout maintenant, c'est déjà comme ça c'est fait, non? Oui, oui, mais c'est ce que j'ai fait là. Mais les réservées, elles sont pas coupées. C'est ça que je veux dire. Après, ouais, c'est pour, comme ça tout est fait et au moins tout à l'heure, on n'a pas besoin de s'embêter. Mais... Et je pense que mon plat est prêt, moi, du coup. Hein. Ok. On va pouvoir se lancer dans la dégustation. Vous voulez rajouter un peu plus de cacahuètes encore ou pas? Non. Non? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, chef. Alors, bien me trouve les cacahuètes? Oui. Comment tu dois tellement défoncer le couteau en vrai? Oh, sur les cacahuètes, je pensais, ok. J'ai lancé 2 minutes. On l'a fait en temps, mais j'avoue qu'il n'y avait pas grand chose à faire, du coup, bon, c'est pas... Le plat, il m'a l'air délicieux, chef, hein. Écoutez, j'espère qu'il sera bon. Ouais, oui. Aucune raison, vous êtes un chef. C'est vrai. Maintenant que vous le dites. Exactement. Voilà, j'ai fini le concassé de cacahuètes, chef. Très bien, bravo. Parfait. Voilà. Si vous voulez, vous hachez un peu de coriandre pour vous. Immédiatement. Après, il y a de la coriandre normalement dans ce plat? Comment? Yo, mets de la coriandre par-dessus. Ah, si je vous le dis, c'est pour une raison. Ah ouais, mais vous n'en voulez pas, vous? Moi non, c'est pour vous. C'est pour ça que je vous dis pour vous, si vous voulez. D'accord, chef. Vous pouvez le faire. Normalement, il y en a. Moi, je n'en mangerai pas, évidemment, parce que je n'apprécie pas ça. Parce que non, c'est parce tout. Que j'aime pas la javel, quoi. Mais c'est pas la javel, chef. Ah si, la coriandre, ouais. C'est la pire chose au monde. Mais on ne l'oublie pas. Voilà, chef. Donc maintenant, un peu de coriandre. Écoutez, ouais, bah ouais, si vous voulez, hein. Pour moi, hein. Je vais pas vous forcer non plus, mais. Non, vous me forcez pas, c'est avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez vu la petite planche blanche là? Non. La petite planche blanche. Ouais. Oui, mais j'ai les oignons dessus, les oignons verts. Vous n'avez pas envoyé encore? Quoi? C'est à la fin? Bah oui, c'est génial. Non, mais ça sert à plusieurs choses en fait. Ça, c'est génial, c'est un plat magnifique, c'est complet et tout. Ok, ben, dans ce cas, je vais les couper juste comme ça, au ciseau. Ouais, et du coup, je vais vous montrer déjà le début du plat, comment c'est, à quoi ça ressemble. Ouais. Donc là, j'ai commencé à le servir. Alors, si, ils ont échangé les rôles. Merci. Ça a pas tenu longtemps, mais ils ont joué le jeu. Ouais, bah en fait, il n'y avait pas grand chose à faire, quoi. Là, mais je vois pas ce qu'il faut. Ah ouais, après là, c'est la nourriture quoi. Le papier c'est du bois mais c'est pas pareil. Voilà chef, j'ai haché ma coriandre pour moi. Voilà, ça c'est une autre façon de hacher quand on n'a pas une planche pour découper. On passe à la... voilà. Hein. Alors. L'essentiel c'est qu'en cuisine il faut savoir s'adapter. Voilà chef, c'est alors, fait. Du coup, ouais. Super, donc du coup voici le pad thaï. Attends, est-ce que vous pouvez sortir parce que vous faites un peu long? C'est bon. Je sais pas si faisait, c'était peut-être moi d'ailleurs, je sais pas. Non, c'était plutôt moi d'ailleurs. Mais c'est bon comme ça, c'est pour que j'envoie la lumière. Ça fait 2 injustices dans la journée quand même. Hein. Il m'a poussé en disant que c'était moi qui faisais de l'ombre. J'enlève tout juste pour que vous voyez juste le plat. Voilà.
Donc du coup, voilà. C'est pas mal. Voilà, donc je pense que la collaboration avec le chef ici présent, on va ajouter quelques cacahuètes. Elle touche à son terme, hein, pour aujourd'hui. Voilà, quelques cacahuètes concasseo. Concasseo. Voilà. Et la coriandre, vous mettrez ça de côté après. Un bon plat, voilà, c'est magnifique, chef. Je peux faire une photo? Merci, c'est trop bon. Ah, je vois qu'on a pas mis. Là, on a mis, ouais, c'est les oignons verts que j'ai mis. Ouais. Donc, bah voilà. Hein. Du coup, ça c'est bon. Est-ce que vous voulez goûter? Ah, attendez. Excusez-moi. Oui, chef. Voilà. Il manque la touche finale. Eh ouais. Eh oui. En tous les cas, ça c'est magnifique. Allez-y. Mais voilà. Voilà. Et voilà. Désolé de taper un croc dans mon écran, un mec. Alors. Attention à l'audio dans tout ça après. Alors. C'est clair. Ça doit faire mal. On y va, mon sur la côté, je t'attends. On va goûter. Tout cela. Alors je verse le citron vert directement. Ah oui, vas-y, oui. Là, il faut faire dans les règles de l'air, chef. Hein. Voilà. Hein? Voilà. C'est réglé. Parce que si on aime ça, le citron vert, le citron tout court d'ailleurs. Est-ce qu'on remet un peu ou pas? Ah non. Non, donc on prend, je prends un petit peu. Bien, pour mettre la coriandre. Ah, si vous voulez, ouais. Voilà, allez-y. Excusez-moi. Oh là là, j'ai l'eau à la bouche, chef. Hein. C'est vrai. Ah oui, mais vraiment, hein. Vraiment, voilà, comme ça je vais goûter un petit peu de tout. Un petit poivron, voilà, j'ai du poulet, c'est parfait. Vous avez les cacahuètes, ça? Oui, c'est bon. Oui. Très bien, écoutez. Donc moi, personnellement, je vais rajouter de la coriandre parce que vous aimez le liquide vaisselle. J'adore la coriandre. Hein. Donc on va goûter ça immédiatement. Si c'est piquant, parce que je n'avais pas goûté avant. C'est piquant? Ah bah normalement, oui, j'ai mis toute la sriracha là. Bon, il faut goûter un peu de tout. Donc, goûtons, let's go. Go, on y va. Oh là là, magnifique. Alors, ça pique. D'après la gestuelle du chef, ça le regardait, j'ai l'impression que ça pique. Est-ce qu'il y a même besoin de parler en fait? Il est bon, sa mère. Hein. Il est bon, sa mère. Sa mère, quand même, là, vraiment. Ah ouais. Super bon. On sent bien le poulet, l'eau poivron. Oui, il sent bien, ouais. Ouais. Cacahuète, citron. Ouais. Voilà. Ah, bon, pas trop l'ail, en vrai, ça va, je crois. Non. Parfait. Et même pas le petit oignon. Le nom vert, c'est léger non, aussi, ouais. Non, c'est léger, ouais. Très léger. Même l'œuf, on sent pas ouais. Tant que ça, en fait. Le citron, ça relève un peu. Et le poivron, ça calme un peu le côté relevé, piquant, parce qu'il est un peu doux. C'est piquant, par contre. Ouais. Mais c'est bon. Ouais. C'est piquant, mais bon. Ça va, c'est pas abusé. Ah, ouais, c'est délicieux. Très bon. Bravo, chef. Bah, je suis content. Bien fait mon plat. Pas trop piquant. Bah, en vrai, ça va. Oui. Je trouve ça honnête. Non, c'est très bien, franchement. C'est pas. Bah, ça dépend de la résistance qu'on a au piquant, évidemment. Mais moi, je trouve ça. C'est pas. Enfin, j'arrive à parler, je suis pas en train de tousser. Oui, non. Il est raisonnable. Mais si vous donnez une petite gorge, c'est. Ça serait sympa. Top, je vais faire cette recette ce dimanche. Merci les gars. Bah, avec plaisir. Franchement, ouais, vraiment. Tiens, en plus, c'est pas très compliqué à faire en soi. Hein. Alors après, effectivement, le chef, il a raison. C'est selon les goûts. Hein. On peut mettre plus ou moins un piment ou pas. Petite gorge. Ah, oui, parfait. Cassage de bidon en perspective. Ah ouais, là, ça va être énervé. Merci à vous. Merci pour la gorge. Bon, par contre, on n'aura pas le temps de faire la version végétarienne. Non, mais c'est donc la seule différence, c'est donc que du tofu à la place de la viande. Ne pas mettre de sauce nyokmam dans la sauce piquante. C'est du poisson. Voilà, sriracha et sauce soja, ça peut très bien faire l'affaire. Ouais. Donc voilà, sauce soja à la place. Ouais. Et puis je pense que c'est tout. Hein. Ouais, après le reste. Parce que je pense que c'est le seul truc pas végétarien, c'est le poulet et la sauce nyokmam. Ouais. Si vous mettez soja à la place de nyokmam et tofu par exemple à la place du poulet, ça le fait. Je pense que ça va être parfait. Ouais. Après, du coup, avec le tofu, ouais, il faut l'épicer, enfin, il faut mettre toutes les épices qu'il faut, je pense, pour que ça donne un bon goût. Là, j'ai pas mis de sel, pas de poivre. Non. Il y a rien. Il y a rien à rajouter. Mais franchement, il y a rien, il y a pas besoin. Ah non. Non, c'est fou, hein. Il y a rien c'est du tout. C'est vraiment super. Et je pense que le d'arachide peut-être fait un peu le truc aussi. Oui. Peut-être. Je sais pas si ça se trouve quoi, mais. Manque un peu salé déjà. Donc c'est vrai aussi. Voilà, mais on n'a pas eu besoin d'ajouter d'autres épices ou quoi, et c'est super. Ouais, franchement super. Ouais, ma version végane. Excellent, bravo chef. Moi, je suis vraiment content. Parce que c'est super bon. Une version végane, ça se tente. Puis regardez quand même au visuel. Franchement, entre nous, c'est magnifique.
Moi j'attends la retif pour faire en vous regardant. Ah, ça ah ouais, ouais, mais vraiment c'est magnifique, hein, chef. Hein, visuel. Mais, tout, ouais, il est joli, ouais. Ah, mais ouais. Du coup, voilà, donc en fait, pour la version vegan, ouais. Donc pas de gnocchi mam, pas de poulet, pas d'œuf non plus. Voilà, parce que là on a mis de l'œuf. Voilà, voilà, pas d'œuf. Et je pense que c'est bon. Et c'est tout, hein. Voilà, le reste, on peut y aller. Quoi. Le reste, voilà. C'est bon, c'est les nouilles de riz, elles sont cuites dans l'eau. Normal. Basique, rien. Voilà. Même les pâtes sont pas salées non plus. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment rien d'ajouté. Non, de... non, c'est parfait. Hein. C'est, franchement, c'est hyper fin, c'est très subtil au niveau des goûts et tout ça. Une version vegan, ça peut se faire. Ouais. Et tu sais quoi, Thibaut, je vais te la faire la version. Ouais, ouais, ouais. Parce que, d'accord, voilà, parce qu'on t'aime. Voilà. Bah, parce qu'on t'aime. Et je vais te faire la version vegan. Elle sera prête. J'espère qu'il restera assez de pâtes. Oui, on va voir. Normalement, ça devrait le faire. Oui, oui. Mais voilà, tu auras une version vegan que je vais te préparer gentiment parce que je suis un mec cool. Mais je vais l'aider, le chef aussi. Et que je suis un mec stylé aussi. Ça, ouais, ça je pense qu'on ne le dit pas assez. Ça, je vais l'aider aussi. Et pas la peine, ça. Je... C'est déjà inclus dans le. Voilà. Voilà. Du coup, bon, alors on va goûter le dessert ouais, avant de finir. On passe à la grande caméra, le temps d'enlever tout ça et remettre le. Voilà, chef. Donc, c'était franchement le top, chef. Délicieux. Ah, délicieux, délicieux. Ça fait très plaisir. Ah ouais. Ah, vraiment, ça fait plaisir. De toute façon, les plats à base de nouilles, de riz, généralement, c'est. Ouais, c'est bon. C'est un grand oui. Ouais. C'est un grand moment de bonheur. C'est beau, c'est ça la cuisine. Bah ouais, c'est ça, hein. Ça, on s'adapte un peu au goût de tout le monde aussi. On c'est s'adapte ça, un peu au goût de tout le monde. Alors, il y a plein de gens qui mangent pas pareil que vous. Voilà, même moi, je mets pas les poivrons. Les poivrons, je les mange pas dedans, par exemple. Ah oui, bah du coup ça, par contre, il y aura pas de poivrons pour toi, Thibaut, quoi. Parce que j'ai déjà tout mélangé, donc t'auras pas de poivrons. On a peut-être du poivron. Oui, on avait un deuxième. Voilà, il y a peut-être du poivron alors. Alors, donc il faut que j'explique, je me lave les mains. Il n'y a plus de gorge qui sont données, je bois quand même, hein, excusez. Ah si, quoique, donne la gorge, je ne sais pas si on l'a vu celle-là. Non, si, on a vu une gorge juste après le plat, chef. Ouais, mais là, il y en a encore une. Ah, de, avec ouais, plaisir. De Thibaut, j'avais pas vu. C'est pas les refus. On se prépare, on arrive. Bah, dépêchez-vous, parce que j'ai très faim, moi. Allez, chef, j'y vais, je bois la gorge. Genre, courez là maintenant, là. Courez, courez, vite. Merci. Parce que chef. Là, j'ai envie de manger mon pad thaï en balle. Comme ça. Le chaîner, c'est mort. Non, mais vous, dépêchez pas. Non, mais j'ai dépêché à Thibaut. Ah oui, pardon. Il n'est pas encore parti. Oui, moi j'ai couru parce que je m'essayais. Non, vous, ça va. Mais lui, il n'est pas parti. Bon, voilà, donc nous allons présenter à nos amis. Voilà, donc ça, c'est les flancs que j'ai fait hier. Exact. N'oubliez pas, le gros flanc est en train de refroidir, mais c'est exactement la même préparation. Donc voici. Alors, moi, comment on fait? Regardez, il y a le caramel en dessous. Moi, je vais le démouler. Pour le démouler, je me suis lavé les mains, je le fais exprès. Donc, moi, j'appuie ici dans les bords. Alors, on peut le faire aussi avec une cuillère si on est un peu, comment on dit, si on chipote un peu sur l'hygiène. Mais là, ouais. Franchement. Là, on chipote un peu quand même. Voilà, le chef, oui, chipote parce que ouais. Lui, c'est un chipoteur. Bah, parce que je suis quelqu'un qui aime bien ouais. Quand c'est propre. Quoi. Donc, si ça ne tombe pas, il ne faut surtout pas paniquer, chef. Comment? Si ça ne tombe pas dans l'assiette, il ne faut pas paniquer. Non. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, avec un couteau. Pour décoller les on bords. Contourne la paroi. Le levier, oui. Voilà. Et voilà. Et là, à ce moment-là, regardez-moi ça. Et voilà. Oh, la musique va trop bien en plus. Hein. C'est le bonheur. Alors, la musique voyez, va trop bien. Un c'est... petit flan, chef, comme vous avez dit, le caramel a pris d'effet. Exact. À ça, on va rajouter la pointe qui fait la différence entre un flan classique et ce flan. La chose que le avec chef le dos, supporte on vient pas. De l'air au fond de la graine. Bah oui, c'est un peu le but, ouais. C'est comme quand sur les flambites, tu enlèves la petite languette au-dessus, ça amène l'air et c'est ce qui fait tomber le truc. Mais ouais, c'est... Du coup, ça marche bien, quoi. Et voilà, chef. Donc, nous avons ici le flan avec la noix de coco que le chef n'aime pas. Désolé, ouais, mais c'est ça. Faire... C'est pas que j'aime mais, pas, encore mais une fois. Il va jouer le jeu, parce que c'est je comme l'ai ça. Déjà dit, c'est pas que j'aime pas, voilà. Je suis pas fan. Voilà, il est pas fan. Donc, nous allons attaquer donc cette... Allez-y, commence. On y va. Donc, hop. Alors, c'est une texture qui est gélatineuse. Hein. C'est pas comme le flan habituel chez nous, qui est un peu plus dur, plus dense. Celle-ci reste gélatineuse. C'est comme ça, je pense que c'est le lait. Il y a le lait concentré déjà, qu'il n'y a pas dans le lait concentré et le lait de noix de coco qui font ça. Oui, je sais pas si monsieur. Alors, c'est quoi les blagues, chef? Type qui nous dit tout gâché avec la noix de coco. Ah ouais, mais désolé, ça fait partie de la recette, je suis désolé. On peut le manger sans, hein, on en a d'autres. Donc s'il y en a qui n'aiment pas ça. Voilà, on vous en offre ici, sans. Mais c'est très après, bon. Après, il y a du lait de coco dedans, donc il y aura forcément de coco. Mais beaucoup moins. C'est certainement, on sent moins que s'il y avait Mais alors, même moi qui suis vraiment pas fan de lait de noix de coco en général, hein, je trouve que ça sent pas abusé. Le goût est pas abusé, ça sort pas tant que ça. On sent bien bon. Le caramel, c'est super bon. C'est ouais, bon. Le caramel aide pas mal, je pense. Belle texture, soit ça reste un peu gélatineux, mais c'est franchement super bon.
Exact. Voilà, chef. Très bien. Voilà, mais c'est écoutez, super. On va tout de suite faire tourner la roue. Oui, ah oui, cette magnifique roue qui va nous donner plein de... Donc, on repart pour une nouvelle année, on va voir ce que ça va nous dire. Allez, c'est parti, chef. 4 pays en lice, on va voir sur quoi ça tombe. Oui, on espère que ça va tomber sur un pays. Alors, le prochain pays à explorer sera la Belgique. Voilà. Voilà. Donc, alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Parce que c'est nos voisins depuis toujours, on n'a jamais fait la Belgique. Voilà. Et là, du coup... C'est marrant, un pays voisin, ami. C'est vrai. Donc, ami, sauf la Coupe du Monde. Ça, c'est le monde des années. Non. Mais à part ça... Le rouge, non. Voilà, si après, on parle d'autre chose, oui, après, globalement, ce sont les années, bien sûr. Non, voilà, donc, prochain pays, la Belgique. Voilà, exactement. Donc, ça fait plaisir. Bien joué à eux. Je vais rebaisser le son, par contre. Je sais pas si c'est trop fort comme ça, dites-moi si jamais. En tous les cas, voilà, donc tout est cool, on va se trouver des bons plats à faire de là-bas. J'avais déjà fait un peu mes recherches, je pense qu'il y a des trucs sympas. Ah, merci Manou, ouais, effectivement, c'est très bon. Donc voilà, écoutez, ouais, frites plus fricadelles plus bière, égale bière. Ouais, logique. Oui. J'ai vu qu'il faudra de la bière. Oui, une bonne bière. On aura besoin d'une bonne bière belge, on va trouver ça. Absolument, on va trouver ça sans problème. Écoutez, c'est la fin de cette émission en fait. Il est midi, on a fini à temps, ça c'est fou. Ça, je pense qu'il faut le marquer. C'est fou. Non, mais avec des plats qui sont censés prendre 35 minutes à faire, hein, donc c'est quand même, on a un peu. Oui, on a tranquille. Non, mais on était tranquille. Mais on était bien. Dites-nous si ça a été dynamique, vous n'êtes pas trop ennuyé, tout ça, parce que franchement, c'est. Qui s'ennuie ici? Voilà. Nous, c'est pour ça que. Ça dépend des. Mais ouais, non, nous, il n'y a pas de. Nous, on s'embête, on s'ennuie pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que ça, c'est plutôt sympa. Non, c'est là. Il y a un grand respect entre le chef et moi, et vice versa d'ailleurs, parce que bon, on s'aime aussi. Allez, ça fait plaisir en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ouais. On se retrouve dans 2 semaines, alors je vais dire ça tout de suite. On est le 15, donc le 29, j'imagine. Le 29, c'est ça, le 29 janvier. Le 29 janvier, du coup. Ça va être le dernier 29 janvier de l'année. Hein, donc, C'est vrai, il ne faut pas manquer ça. Voilà. C'est important. Oui. Donc voilà, donc le 29 janvier, du coup, à 10h, comme d'habitude. On voyage retrouve, vers la Belgique. La Belgique, exactement. Voilà. Exactement. Vers les Wallons, les Flandres et tout ça. Mais on va essayer les Flamands de faire. Hein, on va faire un truc qui change un peu de ce qu'on a l'idée quand on évoque la Belgique tout de suite. Il y aura Antoine Daniel ou pas. J'ai peut-être pas compris. Et puis non, mais voilà. Bravo encore, encore un classique de pays. Bravo à vous, encore un classique de pays. Bah, merci. Ouais. Écoutez, c'est super bon. En tout cas, j'ai hâte de déguster mon pad thai énervé tout à l'heure. Yes. L'émission, c'est le 29. Mais ouais, du coup, le 29 janvier, comme le rappelle Raptor, merci Raptor. Ouais. Voilà, 29 janvier, donc dans 14 jours, on se retrouve. Dans 14 jours. On se retrouve tous ensemble, j'espère. Et puis voilà, bon appétit à tous. Bonne fin de week-end. Bonne semaine qui arrive. Exactement. Et ayez de bonnes vies surtout. Hein. Voilà, merci. Ayez des bonnes vies. Et puis prenez soin de vous surtout. Exactement, c'est très important. Et puis dans 15 jours, hein, soyez au rendez-vous, nous on sera là, en tout cas pour vous. Hein. On sera là comme d'hab. Oui, est-ce qu'on en manque une pour, non, jamais. Non, il n'y a pas une intempérie qui ferait qu'on. Jamais. C'est une fois, l'ordinateur il marchait pas bien, il y a un problème, on a dû commencer en retard. Voilà. Mais sinon, jamais. Nous, mais on y était quand même. Bon appétit tout le monde, bon week-end à la prochaine. Merci. Ça fait plaisir. Ouais. Merci à tous. Merci à vous. Gros bisous et à dans 2 semaines. Allez, ça marche. Ciao. C'est pas comme ça que j'imaginais ma vie enfermée sous camisole. J'ai voulu m'envoler des bastos, m'en planter au sol. En fait c'est peut-être que je le mérite, qui sait. J'ai plus de mal que de bien, tu sais, j'essaie de me racheter, ouais. J'ai essayé de guérir des blessures, tu sais. Fermer la plaie, mais soudainement mes vieux démons m'ont chanté mon passé. Ce qui est derrière revient devant, te guette tout le temps. Pas comme l'amour d'un être ou autre qui passe en coup de vent. Combien de fois pour ce putain de peurage j'ai failli partir en couille. J'ai pris le mic, pour lui j'aurais sûrement balancé des douilles. Et toi dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? J'ai trop trimé pour en arriver là et repartir. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. Cette globe de fort me dégoûte. Des bâtards violent des mômes, des petits gosses nuit et jour. Et ça me fait mal, j'en ai marre. Parce qu'on conserve le silence. Les laissant recommencer de plus en plus. Voler l'avenir de nos enfants. Me parle pas de justice, tuer père et mère sans scrupule. Je préfère les voir crever.
pouvais que rester vivant dans une cellule. Combien de fois des femmes envers moi se sont confessées. Combien de fois j'ai essuyé sur leurs joues les larmes tombées. Et c'est horrible quand on voit comment tout ça se finit. Une veine tranchée par une môme de 15 ans en panique. Ce monde est crade, mec. Beaucoup plus de mauvais que de kiff. Ça perd le goût de vivre quand ce sont des peines qui nous unissent. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. Peut-être ma confession, ce que tu n'entendras pas ailleurs. On souffre tous de quelque chose que chaque jour nous écœure. J'ai beau te parler de tout ça, conscient que ça te touchera, que tu te reconnaîtras, mais qu'à travers ça rien ne changera. Parce que l'humain est trop con, se voit toujours la face. Je comprends pas, je me noie dans ces pensées qui me font boire la tasse. J'ai besoin de me confesser, trop de péchés qui viennent me secouer, ouais. J'ai pas oublié en me mettant à teaser. Sous ma carapace comme certains, j'ai trop de choses qui me rendent malade. Combien d'années m'as-tu vu sans un sourire, même pas une larme. À l'intérieur je suis mort, dans le cœur je suis KO. J'essaie de me battre, de mettre tout ce que j'aime bien haut. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Moi j'arrête pas d'y penser. Je me bats chaque jour pour avancer.